Bon, bah, si vous êtes sur Papy C, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou rediffusion, hein, t'appelles ça comme tu veux. Je sais pas si ça sortira, ça dépend si on réussit le challenge ou pas, mais dans tous les cas, bah oui, dites YouTube, du coup, si vous voulez le chat. Enfin, là, on vous voit pas parce qu'il y a pas de truc, parce que c'est ma scène d'introduction, voilà, c'est un nouveau système que je fais et tout. Mais ouais, donc on se retrouve pour tous les secrets de Blood of the Dead en une game, si possible. Voilà, de faire tout ce qu'il y a à faire sur la map en dehors du secret principal. On fait ça tous les mardis soirs, sur Twitch à partir de 20h. En gros, le but, c'est d'aller sur une map zombie et de faire tout ce qu'il y a à faire en dehors de son secret. Parce qu'on a l'habitude, tu vois, de voir le secret de... Bah, le secret de Bury, le secret d'Origins, de Dare. Tu vois, les secrets principaux, tu les vois tout le temps. Mais c'est vrai que les secrets secondaires, on les voit pas souvent. Genre, tu vois, tout ce qu'il y a à faire sur la map, je sais pas, craft... certains trucs, comme par exemple, c'est Tsubunoshima, il y a eu tellement de choses qu'on connaissait pas. Ou même sur Dead of the Night, est-ce que tu savais qu'il y a des passages secrets sur la map? Est-ce que tu savais que t'avais carrément une arbalète sur la map? Il y a plein de gens qui connaissent pas ça, et c'est le but de cette série justement, c'est de faire découvrir les maps au complet. On va dire que c'est des retours zombies, tu vois, mais en beaucoup plus poussé et en beaucoup plus long. Et donc là, on va tenter de faire tous les secrets de la map Blood of the Dead. Et il y a beaucoup de choses, de toute façon, sur le chat Twitch, vous avez du coup. Tac! Le point d'excitation challenge où vous avez tout ce qu'il y a à faire. Donc, si on résume, on a le pack à punch, crafter le shield, améliorer le shield, la bender guard gratuite, crafter l'acid guard, faire la mamayade, la cuillère en or, l'infinity cuitochette, le tomahawk, améliorer le bonus gratuit, donc avec la pêche et cellule. Alors, ça, je m'en. Le truc de la pêche, le bonus gratuit, je sais plus du tout ce que. Je connais même pas pour te dire. On a le screamer, on a les singes gratuits, on a le 666, 115, la musique de la machine à laver, la noix. La charge de bouclier, le mulky qui PHD est laissé à l'abandon. Et puis un petit bonus, un petit manche 50, voilà. Donc d'ailleurs, moi je vais juste relancer la partie vitesse. Parce que c'est vrai que pour faire le screamer, il faudrait des snipers à lunettes. Et je crois que j'ai viré toutes les lunettes de mes snipers. Donc je vais relancer la partie vite fait. Parce que pour faire le screamer, ce serait con qu'on veuille le faire et que c'est le seul truc qui nous manque dans la game. Ça fera un petit peu chier. Et puis bah voilà, du coup, si vous êtes sur Flapix TV, n'hésitez pas. Hein, le petit like, voilà, ça fait plaisir. Tu t'abonnes à cette chaîne secondaire. Nouvelle vidéo tous les mardis, jeudi et samedi. Donc t'actives la cloche de notification, comme ça tu le loupes pas. Puis je t'invite à rejoindre les live Twitch BG. Voilà, tout simplement, on est en live Twitch quasiment tous les soirs. Bah tous les soirs sauf le samedi en fait, à partir de 20h. Voilà, merci beaucoup Dark pour le follow. Merci Twitch Globe également pour le follow. Merci Tranche de Pain également pour le follow. Ça fait très plaisir, bienvenue à vous. Mais donc ouais, on va pouvoir passer sur la scène de gameplay. Est-ce que j'ai fini mon petite introduction tranquillement. Hop, on va laisser le jeu charger. Merci beaucoup Dark, voilà, comme j'ai dit. Enfin, merci à tous ceux qui arrivent. Installez-vous, posez-vous sur la live tranquillement. D'ailleurs, je vous rappelle qu'à partir de demain, les gens, au moment où on est en live là, à partir de demain, il y a le September. En gros, le premier mois de sub, je crois qu'il est à moins 20%. Si tu prends 3 mois, c'est moins 25%. Si tu prends 6 mois, c'est moins 30%. Donc voilà. Et merci beaucoup également, parlant de sub. Hello. Waza 91 qui lâche son petit re-sub. Pour le deuxième mois. Merci beaucoup, frérot. Donc voilà, à partir de demain, du coup, à partir du live qu'on fait demain soir, il y aura le September. Ça fait plaisir, donc n'hésite pas à te lâcher. Du coup, ça met très bien. Ça met très clairement bien. Alors, fusil tactique. On va prendre, je pense, l'Auger. Hein. L'Auger, si on enlève ça, je crois qu'on a... Ouais, on a une grosse lunette, ça devrait le faire. Ok, je vais prendre un sniper aussi. Je crois qu'il n'y a pas de snipe au mur en fait. Il me semble qu'il n'y a pas de sniper au mur. On va laisser comme ça, je pense. On va laisser comme ça. L'Auger, ça devrait marcher le screamer, je pense. Salut Raph, comment ça va? Salut Bertha également, salut de ceux qui arrivent. Installez-vous, posez-vous sur ce stream. Blood of the Dead. Bien sûr, tu connais. Bug son du jeu, non? Ah, bug du son de jeu? Attends, faut me le dire s'il y a un bug du son de jeu. Si jamais c'est les gâteaux, faut juste que je relance la PS4 en gros. Mais si on peut me le dire. Je vous augmente le son du jeu. Voilà, dites-le moi du coup si si ça bug ou pas. Ah oui, en effet, ok, voilà, je préfère que vous me le disiez maintenant plutôt que qu'on ait ce problème là. Pendant qu'on est en pleine en pleine partie, parce que si on fait ça en pleine partie, bah comment dire que j'aurai le seum de tout recommencer à zéro si jamais on a un problème de son. Tu sais, imagine, je dois recommencer à zéro le truc. Ce serait, comment dire, un petit peu la flemme. Je pense que j'abandonnerai clairement. Secret au run aujourd'hui. Bah frérot, quand même, t'as 4 mots à lire dans le titre. Quand même, là, faut faire un effort. Faire un effort, quand même. Enfin, tu veux que je te dise quoi, là je peux pas t'aider. T'as 4 mots à lire dans un titre, t'arrives pas à les lire. Bah là, mon ref, remets-toi en question. C'est incroyable, ça. C'est quand même incroyable. Ah, bordel. 4 mots à lire. Insane. Mon abonnement PS Plus est fini. Bah ça passe dessous, prends-le sur Neba. L'année, je crois, attends, je vais dire sur Neba, là, combien de l'année de PS Plus?
crois que c'est 40 au lieu de 60. PSN, 12 mois, 48-34 au lieu de 60. Eh, tu vois, eh, 20% de réduc, hein. Eh. Eh, quand même. Quand même. Alors, j'espère que le gâteau s'ira mieux, sinon on mettra sans son. Bon, alors j'essaierai. Ah, attends, si je passe par un autre truc. On va essayer, on verra bien. Des attentes particulières de Cold War. Bah, je vous ai écrit une vidéo entière, je l'avais entièrement écrit. Et je voulais vous en faire une vidéo, mais j'ai vu que Kenshin l'a fait. Du coup, bah, je me dis, bah merde. Mais pour vous montrer, ouais, j'ai fait tout le script et tout, j'étais prêt, je voulais la tourner. Puis là, je vois Kenshin nouvelle vidéo, je me suis dit, putain de merde. J'étais trop déçu, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je vous en parlerai en live vite fait au pire. Mais en gros, regarde. Voilà tout le script, il est tout prêt. La vidéo, il me reste juste à la tourner. Il me reste juste à la tourner. Ah, t'as enlevé Beats Gold ? Non, je l'ai enlevé hier parce qu'on avait. Bah, c'était la fin de mois. C'est vrai que je l'ai pas remis. Et merci beaucoup. Attends, on a Fabien qui lâche son 4e mois de sub aussi. Merci Fabien, ça fait plaisir. Mon Beats Gold, je sais plus où il est, je crois que c'est couleur. Et bah, je le trouve. Ah, c'est bon, il est là. Voilà, c'est bon, il est de retour. Il est de retour. Donc là normalement censé être réglé, sinon c'est pas grave, on fera sans son hein, tant qu'il y a la musique et ma voix, c'est tout ce qui compte, clairement. Clairement. Partie solo, ouais c'est bon, c'est bien Blood of the Dead, j'étais en train de dire attends, on fait quoi ce soir déjà comme map? Ah je crois qu'on fait Dead of the Night. Non, j'ai une semaine de retard là. Dicasse aux gens qui ont les rentrés aujourd'hui, ouais force à vous, on n'est pas ensemble. On paye une fois, vous avez eu 2 mois de vacances, moi j'ai pas eu de vacances cet été. Oh là là, Rivjella, le voici pour peut-être lancer un bordel. Merci Rivjella pour les 115 bits. Rebug voilà. Ouais bah vas-y, j'enlève le son du jeu, c'est pas grave. C'est pas grave. Faut que j'en lance OBS en gros. Et comment dire qu'il y a la flemme clairement. Ouh attends, si je fais un... propriété de l'audio avancé. J'ai peut-être une idée. Attends. Si je passe... j'enlève le gâteau, tu sais, en mode... Attends, j'ai une idée, propriété... ouais, c'est ça, El Gâteau, je sais même pas où c'est. Genre... On entend pas le son du jeu, bah. Bon, bref, si je coupe le son du jeu, ça, c'est normal. Mais là, normalement, ça va aller, parce que du coup, en fait, je. C'est bon, ouais, c'est ça. En gros, j'ai fait sortir le jeu dans mon casque, et vous entendez ça, en gros. Enfin, je sais pas comment dire, mais du coup, c'est mon problème réglé. J'ai pas pensé à faire ça dès le début, putain, je suis con. Oh, c'est un problème, j'ai le gâteau OBS en ce moment. On va attendre de. Une mise à jour. Et merci beaucoup également pour le sub de Amara. Bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton Prime. Merci d'avoir utilisé le Prime ici, ça régale. Ça fait très gentil de ta part. Oh, à quel jeu tordu joue l'allemand. Il veut peut-être que je. Ça bug pas, ouais, c'est normal, c'est parce que du coup j'ai. J'ai fait sortir par. Je fais sortir le son par OBS. Et pas parler les gâteaux. Et là ça marche. Genre c'est un problème qui est au niveau d'OBS et je sais pas comment le. Comment le régler, mais bon, soit. Il est peut-être un peu fort le son là, je vais peut-être le réduire un petit peu. Hop là. Bon bah c'est parti, on va aller faire tous les secrets de Blood of the Dead. Ça va être sympatoche. C'est... Je me fais vieux, je dis des mots genre sympatoche. Ça va les Jones? Comment ça les Jones? Putain, j'ai enlevé le pansement parce qu'il y a le chat de ma copine, bon, qui est maintenant aussi mon chat, qui m'a amoché la main. Et je m'étais mis un pansement pour pas tâcher mon bureau parce que ça a pissé le sang tout à l'heure. Et comme j'étais en train, je voulais tourner une vidéo, bah j'ai tâché mon bureau et du coup là c'est l'air d'être bon. C'est l'air d'être bon. Donc vas-y, on va se faire des points du coup pour les ouvrir et faire les chiens. Et toutou. Mais toi Nat, ça te le fait ou pas des fois aussi? Parce que je crois que t'as un del gâteau. Je sais pas si t'as ce problème là aussi depuis une mise à jour récente d'OBS. Moi ça me le fait des fois, voilà. Du coup je passe en monitoring et couper la sortie sur le truc de l'alcool au niveau du son. Et ça marche. Donc soit. Si ça marche, c'est tout ce qui compte. Bon je pense qu'on va commencer à activer le courant, faire le tomahawk, tu vois, le. On va dire le classique et on fera les petits easter eggs secondaires un petit peu après. Genre tu vois, on ira peu à peu quoi. Oui moi aussi j'ai le problème. Ah t'as ce problème là aussi ouais. Bah c'est soit tu relances OBS, soit je sais pas si tu fais ça. Genre tu passes en. Le son c'est de l'alligator. En monitoring et couper la sortie. Comme ça t'entends le son en fait, toi tu l'entends depuis OBS. Et du coup bah les gens entendent ce que t'entends, du coup ils entendent ça. En gros tu vois, c'est pas si
C'est peut-être un petit décalage son après, mais c'est pas très méchant. Ouais, Chozu, comment ça va? Mob ou Blood? Blood. Mob, son secret, il est beaucoup trop claqué. C'est même pas un secret, tu sais. C'est deux étapes, le bordel. D'accord, alors j'ai récupéré les pièces également pour faire tout ce qu'il faut. Notamment la Sidgat. On aura besoin de la faire. Du coup, faites tout ce qu'il y a à faire sur la map. Carmen. Et on va aller faire le toutou, putain. J'ai pas l'habitude, d'habitude, moi, les fois où je fais le secret, bah, c'est avec Supra et les compagnies, et je me pose là, quoi, puis j'attends qu'ils passent les trucs. Hein. Voilà, voilà. Préfère Acidgat ou Magmagat? Bah, tu vas voir ma vidéo qui classe toutes les armes spéciales de la pierre à la meilleure, et tu auras la réponse, voilà. C'est incroyable. C'est carrément incroyable, mec. Puis, du coup, let's go, là, pour ce mois de septembre, pour commencer aux beautés. Donc, n'hésitez pas à faire péter le Daily Sub Goal. On est déjà à 8 sur 30. Donc, ceux qui veulent gift, etc. Surtout, je vous le rappelle, il y a des nouvelles scènes. Déjà, tu l'as vu tout à l'heure quand le train de la hype est arrivé. Un petit bus de la hype. Il y a les scènes pour les gros top, enfin les gros subgifters et les gros cheerers. Voilà, des nouvelles scènes assez cocasses. D'ailleurs, les nouvelles scènes, mais j'ai oublié de mettre le fond vert. Et merci beaucoup, Forni, pour les 100 bits, juste pour entendre le PC parler, j'adore. Attends. Juste pour entendre le PC parler, j'y adore. Putain, là, tu vas voir. Hop. Je dresse le fond vert pour les fameuses scènes. Tac. Pour les fameuses nouvelles scènes. Je me suis bien amusé, je me suis bien fait chier. Voilà. N'oubliez pas, samedi, c'est un live de Monsieur Flap. Ouais, mais on fait le live anniversaire vendredi. Voilà. J'y adore. J'y adore. Et merci Anaïs pour le sub offert à Aki. Ça, c'est beau, un petit sub gift. Surtout à Akimatu. Comme même. Comme même Aki, il a son petit sub gift. Le gratteur. Le gratteur. Incroyable. Alors. Monsieur, est-ce que tu es rassasié ou toujours pas? Non, t'as encore la dalle, hein. Ouais, faudrait que je te ramène un tacos plutôt que des zombies en fait. Oh là là, Akimanu. Incroyable. Toujours pas, monsieur? Putain, mais ouais, vraiment, vas-y, je cherche un tacos là. Au pire, j'appelle Uber Eats. Et là, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Et. Un avant-goût de vendredi MDR. Merci beaucoup pour les limites. Ça fait plaisir. Vendredi MDR. L'avant-goût de vendredi. Ah, sur le live anniversaire, faudra ralasse. Hein. Oh là là. Fallait pas offrir un sub à ce chacal, pauvre Aki quand même. Hein. C'est incroyable. Ouais, du coup, on fera les trucs que je préfère faire en zombie. Vendredi, on fera un 100% challenge sur Buried. On l'a déjà fait, mais j'ai envie de rejouer à Buried. On ira faire un secret d'air, un secret d'origine. Voilà ce que je préfère faire au final. Carmen. Hop. Ça dégage ça. Ah, bonjour monsieur. Bonjour. Bonsoir. Laisse-moi passer. Poussez-moi, excusez-vous. Hop. Buried, c'est pas ouf ça. Mais heureusement que t'as pas ton épée toi. Tu vois maintenant les gars, quand vous êtes modo, donc là Kanata et tout, si vous êtes obligé d'aimer Buried en fait. Voilà. Oh, je suis chiant et un enfant. Je sais, pas la peine de le dire. Je le sais. Tac. C'est ça, pour mon anniv, il va falloir m'offrir un câble HDMI, mini HDMI. Si mon appareil photo, c'est un mini HDMI et un HDMI qui va au PC, quoi. Donc voilà. Ah, le pire streamer est en live. Putain, le pire mini maker est en live. Comment il va, Agoniza? Comment ça? Qui ose insulter la map préférée qui est celle de... Bah oui, et Buried, bien sûr. Bien sûr, le sang. Incroyable. Bon, du coup, les zombies, c'est rien qui se bouge le cul à venir, là. Je sais pas si j'ai assez de thunes pour descendre jusqu'en bas. Je sais pas du tout. Au pire, vas-y, on va passer la manche là. Bah, de toute façon, il restait un zombie là. Donc bon. On pourra gérer nos stats avec une nouvelle doctrine qui sortira. Non, j'ai pas regardé, je t'avoue que Nat, j'ai complètement lâché des deux. Et j'ai pas check. Ce que ça donnait. Money Maker. Oh bordel. Merci Trey pour le follow, bienvenue à toi. Tu connais la map enterrée. Putain, mais heureusement qu'il n'y a pas eu de remaster Buried. T'imagines? Enterré. L'horreur que ça aurait été. Triarch qui ose sous-traduire là. Voyage du désespoir. Putain. C'est horreur. Faut faire quel code? Ah, code 4. Code 4, ça reste mon code de cœur. Là, ils sont full buggés les chiens quand même. Sur Black Ops 4, c'est insane. Attends, Toussi, t'as dit quoi? J'ai pas vu. Merci beaucoup, Aaron, pour le follow. Mmh, 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 mmh.
Si on met 3000 heures de BO2, ah ouais quand même. Comme même. D'ailleurs Agony, j'aurais besoin de toi pour une miniature d'ici peu. Je tourne normalement ma miniature, enfin ma vidéo de dimanche demain. Donc je te passerai la commande à ce moment-là. Et la commande également pour une vidéo qui sortira dans très longtemps. Enfin, en gros là j'ai 3 milliards je crois à te commander. Voilà, un gros. Pour te résumer le truc hein. Tino, comment ça va? Je suis dispo ce soir BG. Bah vas-y du coup je vais finir mon live de toute façon pas trop tard. Et je t'enverrai tout ce qu'il faut et tout. World War 2 c'est le meilleur. Je crois que je suis aveugle là les gars. Je crois que je suis... J'ai du mal lire en fait. C'est ça je dois... Je suis fatigué c'est pour ça. Ça je pense. Hop vas-y je vais... Oh là là 60 HP. Vas-y je vais descendre allumer le courant en bas. M'acheter une petite arme. Tu vois sinon ça commence à être compliqué là dedans. Non mais j'ai raison. Ouais t'as raison de dire que c'est pire. Totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Ouais. Tu fais bien de le dire. Ah bordel. Oh putain. Ancien de Warfare, Best Call of Duty. Pour moi ça aurait dû être le seul à jetpack, vraiment. Mais bon, Activision était jaloux de Destiny, enfin voilà. Ils sont dit allez. On va leur mettre des jetpacks de partout. Merde putain, j'ai plus de thunes pour mon mon arme. Tu brutus, j'ai pas le tuer uniquement au petit gun, ça va être un peu. Oh. Un petit peu comme piqué là. Pas de soucis, on aura vite notre ICR, je crois que c'est ICR qui est là. Ah, c'est 1500 balles! Oh putain de merde. C'est une horreur. 1500 balles, une putain d'ICR. Oh mais attends, on a un mort instant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe la manche ou pas? Parce que je t'avoue que mort instant x2 là... C'est-à-dire que... Ah, ça peut régaler, quoi. Oh, les points. Oh, les points. Oh, sa mère. Tac, impec. Hop là, ça dégage, ça aussi. Oh, ce plaisir. Oh, ce plaisir incroyable. C'est quand même incroyable. Et bon, je suis pressé de recevoir le PC de stream, là, pour passer... sur du full PC, ça va être incroyable. J'ai l'impression en fait qu'on est lent sur BO4 la console. Tu sais, je sais pas, tu sais combien y a pas le FOB et tout. J'ai vraiment l'impression d'être d'aller à 2 km/h, genre que perso il est asthmatique quoi. Alors que pas du tout en fait, c'est juste une impression mais voilà quoi. Attends, on a encore un putain de Brutus là. J'ai la vie de ta mère. Je sais pas où il est, moi je me casse perso. Parce que tu l'as commandé? Eh oui, j'ai passé la commande hier. J'ai passé la commande hier, ça y est. Le PC de stream est commandé, les gars. C'est top, le PC, ça arrive. Voilà. Bon, j'ai niqué mes économies pour... Et j'ai mis de côté pour l'URSSAF, quoi. Mais c'est pas grave, on y croit à septembre, ce sera un bon mois. Hein, donc... les gars, lâchez-vous, s'il vous plaît. Hein. Là, j'aurais besoin. Hein. Il est passé où, cet abruti de... Mais il casse quoi? Il est juste là. Bonjour, chef. Comment ça? Tac, parce que sinon t'imagines, je pourrais plus payer Agony, je pourrais plus payer Clément pour les vidéos. C'est un bordel. Naniv, c'est samedi, mais je fais le live anniversaire vendredi. Parce que samedi, bah je fais une soirée avec mes potes et tout, donc voilà quoi. 3090, non, j'ai pris une 2060, c'est juste un PC de stream. Hein. Bon après, ça doit quand même gérer de grosses scènes, donc c'est pour ça que j'ai quand même pris, tu vois, une 2060. Et un Ryzen 7 et tout, pour voir le RTX. Voilà. Je tiens juste, t'as besoin d'aide pour le montage, t'inquiète. Bah normalement j'ai pris l'option top achat, je me suis pas fait chier. Mais j'aurais peut-être besoin de toi ouais, pour changer quelques trucs dans mon PC actuel, notamment la lime. Et puis même pour optimiser et tout, voilà, je sais pas si c'était chaud, enfin hein, c'était si chaud, on va dire en dehors du matériel. Point de vue logiciel c'est chaud aussi, j'aurais besoin de toi. Hein. Notamment aussi pour brancher un, mon HDD de 2 Tera que je vais retirer de ce ordi là pour mettre dans le PC de stream. Je sais pas brancher un HDD. Pas d'info, je suis vraiment en ordinateur, moi je suis une queue, c'est incroyable. T'inquiète, Agony, tu seras toujours payé quand même. C'est bon, ok, celui-là il est terminé. Les gens ont juste à lâcher leur sub et c'est bon. Et alors, let's go 1200 là ou quoi ce soir, pour le début de septembre. Tu es niveau 1000 sur Black Ops 4. Voilà, tu as la réponse. Attends, est-ce qu'on avait fini ce toutou?
Ah non. C'est dommage. Mais attends, mais j'ai toutes les pièces également pour le shield. Il y a des petites astuces là. Non, c'est pas là. C'est où la porte déjà? Elle est là. Non, c'est pas là. Elle est où la porte? J'en vois plus. Ah, c'est là. Regarde, t'as vu, je l'ai ouvert d'ici. Hop là. Ça sert à rien, mais c'est là. C'est rien, c'est la rue. Non, c'est la gueule de bois, Flapix, ce dimanche froid. Dimanche soir, en plus, je vais devoir stream. Ça va être sympa. C'est sympa, man. Je vais avoir une sale gueule, je pense, dimanche soir. Ah, faut profiter de temps en temps. Tout en étant raisonnable, hein, mais faut profiter, quand même. Merci, super, pour le follow. Bienvenue à toi. D'ailleurs, vous en avez pensé quoi, là? Je sais pas, pour ceux qui suivent un petit peu la hardware, etc. Les annonces des nouvelles cartes graphiques. Voilà, je pense que vous en avez pensé. Si je pense toi ça a dû t'intéresser. Là j'ai commandé une petite 3090 hein, c'est pas du tout. J'ai vu le prix, j'ai fait allez. C'est plus cher que le PC que j'ai commandé. Après c'est de la dinguerie quoi. Je suis moyen. Avec une clé USB ah t'as une clé USB avec Windows. Ça éviterait de payer Windows en gros. Bah, chez moi, mais qu'est-ce qui me branle eux. Putain, ils sont tous autour de moi. Combien la CG hors taxe. Je crois que hors taxe, elle est à 1500 balles. Un truc comme ça. Mes nouvelles scènes, mais vas-y, regarde. Le temps qu'on. Là, tu vois. Je sais pas si je suis en train de parler, je suis en train de setup mes classes, etc. Tu vois, petit écran d'attente comme ça. Bien sûr, la petite. Voilà, c'est pour mes intros YouTube que je fais en live. Regarde ça. C'est incroyable. Celle qu'on a vue tout à l'heure. Quand il y a le bus de la. Enfin, le train de la hype. Regarde ça. Le train de la hype. Et les deux autres que j'ai fait. Les deux autres scènes. Pour l'instant, on les laisse un petit peu secrètes. Du fait que. Comment dire, c'est les scènes en gros quand il y a des gros subgifs. Je sais pas, quelqu'un qui lâche 20 subs, je passe sur une scène spéciale. S'il y a quelqu'un qui, je sais pas, lâche 5000 bits, je passe sur une scène spéciale. Et celle-là, je les active du coup et je dévoile que quand ça arrive. Donc, on va se dire, du coup, c'est un clin d'œil envers vous, le chat, envers les Crésus. Voilà, donne à Nikolai. Je suis content de ces petites scènes. Je suis content. Bon, du coup, on a récupéré le tome. Ah, mais attends, on a déjà fait un truc là. Mais oui, mais oui, mais oui, il faut que j'actualise ma commande de challenge. Hop. Faut que je la valide. Tac. Donc j'ai actualisé la commande challenge à chaque fois qu'on termine un truc, les gars. Elle me saoule cette musique. Voilà. Voilà. Repasse un petit peu plus dans la Synthwave. Hop, le petit logo check pour dire ok, c'est fait. Alors. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Du coup, bon, on va faire la Blender Guard gratuite. On a craft le shield. Je l'ai même pas validé. Comme un couillon. Crafter le shield. Et le tomahawk. C'est le tomahawk qu'on a fait. Hop, je valide le tomahawk également. Oh, le tomahawk amélioré, je sais même plus comment on le fait. Oh, comment on le fait déjà? Salut, hello, comment ça va? Merde. Ah, on peut faire la cuillère d'ailleurs. Et pour ça il me faut des charges de bouclier, il n'y a plus assez de zombies. Donc je pense on va déjà commencer tranquille par se faire le truc, voilà. Alors ta rentrée. Putain c'était dur là, la rentrée. Ce matin, levé 11h. On a commencé avec un tournage vidéo à 15h, c'était dur. C'était dur. Désolé à ceux qui ont leur rentrée actuellement. Hein. Ah, putain. Oh là là. Horreur. Et toi, t'as rentré du coup. Non, j'espère en vrai pour ceux qui ont leur rentrée hein, que ça s'est bien passé tranquille. Tranquille. Tu vas pas faire le code sans zombie. Non, on fait pas tous les codes. Hein. On fait vraiment les trucs principaux. Tu vas pas entrer. On va pas faire les dialogues non plus. Après, on peut faire le sans zombie. Bah attends, mais le sans zombie c'est 666. Il me semble. Je sais plus. Je commence pas tout de suite, bah du coup ça va. Si tu commences pas tout de suite, ça va en vrai. Oh, hop, on va prendre ça. Non, c'est. Ah oui, 872. Ouais, bon, c'est du secondaire. Ah non, 666, c'est pour un Brutus. Et 115, bah, c'est pour la musique. Je suis un 2010. Ah. Ouais, donc je disais bonne rentrée à tous. Oh là là. Vas-y, du coup, j'allais récupérer tous les crânes. Il y en avait un en bas. Spawn, un sur le toit. Un dans les chiottes et un côté, ouais, à côté de la cigate, ouais, c'est ça. C'est bon, je m'en souviens. Je vais faire directement la blender. Comme ça, on va faire la magmagate.
le plus tôt c'est fait, mieux c'est, hein, clairement. Mais Tomahawk amélioré, les gens, comment on fait déjà? En vrai, je m'en souviens plus du tout, c'est un délire. Je sais qu'il y a une histoire de loup pendant la manche spéciale, mais avant, pour avoir ce loup-là, on va faire quoi du Tomahawk? Si vous vous souvenez, on avait dit c'est au dodo là, bah j'avoue les gens. Putain, mais moi, à 10 ans, mais j'étais au lit à. Attends, quand même pas 20h44, peut-être 21h. Personne ne s'enfuit en vie. Hop. C'est bon, celui-là, c'est fait aussi. Ah ouais, tuer des zombies qui au Tomahawk, c'est ça. Et ensuite, il y a un bruit de loup. Ah oui. Ah, j'ai oublié ça. Vraiment, le Tomahawk amélioré, je trouve ça tellement useless, je le fais jamais. C'est un délire. T'as fait des vidéos sur cette carte, bien sûr. Bien sûr, plusieurs. Des tutos, retour zombie, les secrets, secrets réalistes, hardcore, manche... pas combien, j'ai tout fait. Faut trouver une tête de loup. Après, ouais, faut chercher la tête de loup au boubou, c'est ça. Et ensuite, pour la manche des chiens, t'auras un loup qui va spawn aléatoirement sur la map. Oh, c'était chiant à faire. Oh là, ça va être... Il y a trop de trucs, en fait. Ça va être trop long. Mais bon, plus c'est long, plus c'est bon, tu me diras. Oui, effectivement. Effectivement, ouais. Ouais, après on fera le shield amélioré aussi. Qui a créé les singes pour négociation challenge. On va voir tout ce qu'il y a à faire. Merci Geekos pour le follow, bienvenue à toi. Bienvenue. Mais ouais, y a tellement de choses à faire. Je sais même pas par quoi commencer en fait, tellement y a des trucs. Pour l'instant on fait le bordel où j'ai pas besoin de tuer de zombies. Hop. Petit crâne en plus. Mais je pense en vrai comme ça on fait la magma gat. Puis on a une arme spéciale. De fait. On ira craft l'acide gat. On la fera pas l'acide gat hein. On la craftera juste, on aura juste à passer si on veut la blender dedans, mais flemme quoi. Flemme clairement. D'ailleurs il me manque une pièce pour la Sidgat. Elle est où? À l'infirmerie. Je peux t'épouser. Comment ça Ozu? Mais je suis pris. Je suis pris. Ouais, je suis la Moka, comment ça va? First room, no power, réaliste, etc. Nope, jamais, ça m'intéresse pas du tout tout ça, sauf les secrets réalistes. Où là c'est l'une des meilleures créations du zombie. Mais sinon le reste, clairement, je suis pas intéressé, franchement. Non. C'est sur le toit? Ouais, enfin, l'infirmerie, je pense plutôt. C'est sur le toit. Et je crois, le dernier crâne, là, j'ai loupé. Putain, je suis un baiser, c'est incroyable, j'arrive à louper quand même ça. Je vais bien être une merde, mais quand même. Ah. Ça a pas ramassé le crâne? Non, ça pas ramassé le crâne, peut-être parce que je me suis trop éloigné ou que j'ai pas pris le temps. Non, attends, au pire. Eh, mais au pire, mais qu'est-ce que je me fais chier? J'ai mis des élixirs exprès, je suis un connard. Bah, attends, c'est. Il est là-dessus? Si je dis pas bêtise, non? Prélation WR et tu verras bien. Attends, mais c'est. Mais je m'en souviens plus, c'était pas là le dernier crâne? Moi je vous dis, je fais jamais cette map, je joue jamais. Ah, c'est au sommet sur le putain, j'ai cru que c'était entre les deux trucs électriques. Pour vous dire à quel point je joue jamais à cette map et je fais jamais secret, clairement. Voilà. Comme ça, on a le truc. Comme la Magmaga, tu vois, là je l'ai refait il y a peu de temps. Bah, pour le retour zombie, je crois. Et c'est tout. Après, j'ai vraiment jamais refait la Magmaga. Genre, je la faisais à la sortie de la map et. Puis c'est tout, quoi. Hop là, on replace Blender Gat. Ils sont où les petits loulous? Hop. Tac. Mais ça, je vais jamais jouer à Mob Boss Z, bah quasiment jamais. Hein. Mob, la map le plus surcotée de l'histoire avec Kino. Clairement, c'est un délire. Vous savez, mais les maps où il y a trois étapes pour un secret. Allez, trois fois sur le pont. Entrez des codes. Ramassez 5 bonus. Vous avez fini le secret. Ça m'intéresse pas, clairement. Ça m'intéresse pas du tout. Clairement pas. Hop. Tac. Hop, hop. Oh bah attends. Pourquoi se faire chier quand on a des putains de katanas là? Tac. Hop. Je sais pas, faut récupérer combien de petites lueurs comme ça déjà. Je sors plus du tout. Ah bah c'est bon, c'est déjà fini. Bon, ok. Balou. Let's go. Let's fucking go. Bah du coup on va prendre ça. Déposer l'essence plutôt. En min max. Ça me plaît.
Voilà, et là faut prendre ça. Il me semble qu'il faut aller jusqu'à New Industries en passant à côté des trucs comme ça. Content. Mais Kino n'insulte pas. Désolé si vous avez mis une map où il n'y a rien à foutre dessus, quoi, clairement. Si ! Il y a des bobines ! Waouh ! Des putains de bobines à ramasser à mettre dans un projecteur. Incroyable. Merci pour les 100 bits. Chenoul. Kono Dioda. Ok. Si tu veux, Mathieu. C'est pas de Mathieu le monsieur qui parle. Voilà. Vous connaissez pas Mathieu ? Apprenez à connaître Mathieu. Demi-sub et mot Mathieu. Des bobines. Il y a des bobines sur la map. C'est incroyable. Oh non, me coince pas, s'il te plaît, mon ref. C'est bon. Sinon, il faut que je recommence à zéro et un petit peu la flemme, quoi. Et là, je crois que j'ai le temps avec Marathon de passer par là parce que je veux pas ouvrir l'autre côté. Sur Kino, c'est vrai qu'elle bosse ça avec AV, le gorille cosmique. Mais oui, ça le fait. Let's go, McBagat. Tac, je vais valider ça du coup. Ah, Blender Guide gratuite. J'ai pas validé. Faut que je pense à mettre la commande à jour là. Putain, Nat avec son beau logo de pompe là. Le grab pompe. Magma. T'es où, putain, dans ma commande? Je suis aveugle. Tac. Voilà, on aura un petit bru-bru. Putain, faudrait que je récupère des âmes moi. Faire le pack-a-punch pour faire les musiques, etc. Calmez-vous les zombies, putain. Eh ben, un pack. On a un Brutus qui va spawn. Exact. Exactly. Aïe. L'esprit des tartes et... un coup de matraque, c'est pas très, très agréable, hein, en vrai. Un vrai de vrai. Wesh, ma mat. Ça va, toi? En vrai, ouais. En vrai, ouais. Kino, la meilleure map, voyons. Mais oui, voyons. Quand même. Oh, bordel. Non, c'est pas challenge point d'interrogation, c'est point d'exclamation, c'est point d'action challenge. Rah. C'est pour un design, je sais pas comment on l'écrit. Bah, je crois que c'est chat, en mode chat. Mais moi, tu sais, je préfère écrire chat, parce que français, chat, bah, ça fait chat. Mais le truc de base, c'est chat, enfin, c'est comme le chat, quoi, en fait. Vous savez quoi? Eh, dans le chat, on va faire un sondage. Normalement, l'écriture, c'est C-H-A-T. Je vais mettre un sondage. De vous, de comment vous préférez l'écrire. Si moi, j'avoue que je préfère écrire chat avec un T, vu que c'est à la française, voilà. Là, je préfère, parce que sinon, ça fait chat, quoi. On est sur le chat de Twitch. Ah bon, Twitch, il a un chat. Quoi? Mais normalement, l'écriture normale, c'est chat, quoi. Donc voilà, il y a un petit sondage qui est apparu. Ah bah oui, je vois ça, envoyer un message, entre parenthèses, chat en mode lent. Donc ouais, chat. Vraiment chat. Le chat. Le Mathieu. Alors, c'est pas là qu'il y avait la... Ah mais oui, juste là, putain, la pièce. C'est vrai. Oh, j'ai oublié, bonne mère. Tac, allez. On va continuer, on va craft le kit acide gat. Comme ça, au moins, avec le kit acide gat, ça va être lourd. Par contre, je vais faire ça. Les gens qui écrivent, chat. Les gens qui écrivent... bah, écrivent. Les gens qui écrivent. Bonne mère. Tac. Hop. Puis let's go. C'est ouf, la pique, ça va? Ça va et toi, frérot? Comment tu vas? Je vais manger 39 sur un map prison. C'est bien. Mais c'est bien. Franchement. GG. GG à toi. Grand GG. Vas-y, du coup, on va faire ça. Puis ensuite, on va faire les kilos tomahawk. Faire le tomahawk amélioré. Clairement. Ça va être un bon truc de fait. Et je vais prendre également là tout. C'est soda en bas ou... Non, c'est cola. Soda, c'est au niveau du toit. Merde. Je vais me valider également l'acide gat, vu qu'on va la craft, mais je garde la magma gat, quoi. Au moins, ça c'est fait. Allez. T'as pas mon shield, toi, s'il te plaît. Donc, bref, code 4, j'ai dit juste avant. Wesh, que le fusion! Comment ça va? Pourquoi énergie antonique pour courir à l'infini quand il est modificateur? C'est trop bien, ça. D'ailleurs, j'en n'hésitais pas à faire péter le délice up goal ce soir. C'est un nouveau mois, il faut tout péter pendant ce mois de septembre. Même si c'est la rentrée, les gars, faut se lâcher. Le délice up goal. Je compte sur vous. Et surtout, du coup, bah, évidemment, faire des la moula. Voilà. Bonsoir, Luigi. J'ai raté. Début, j'étais en sortie du travail.
Bah déjà j'espère que ta journée de taf s'est bien passée. Bah t'as pas loupé grand chose. Pour un exclamation challenge, tu verras tout ce qu'on a fait sur la map déjà. D'ailleurs je vais mettre à jour du coup la commande pour valider le craft acid gat. Hop. Nickel. Et là on va aller faire le tomahawk amélioré je pense. Ou le shield amélioré déjà, vu que j'ai de l'argent pour les boîtes. Ça se trouve qu'on a eu le niveau de la cour. Donc on peut niquer nos points là entre guillemets. Peut-être faire le pack à punch aussi. Vas-y, on va faire le pack à punch. On va faire the pack punch derrière les billets buggés. Ouais, bah c'est pas grave, hein. Sont robotiques un peu. C'est des billets robotiques, tu vois. Là, c'est la moula. La moula. Du futur. Vu que maintenant Amazon, ils vont livrer des drones. Enfin, avec des drones. En délire. J'ai vu le bordel, j'étais en mode. Ok, ouais, donc on en est là, hein. C'est la fin du monde est en train d'arriver. J'arrive à temps alors. Bah oui, t'arrives à temps. On n'a pas fait le plus intéressant pour l'instant, franchement. On a fait les secrets de base. Enfin, les trucs de base de la map, plutôt. Hop. Pack à punch, on valide. Et vas-y, je vais aller taper un peu de boîte. Ah merde. C'est vrai que le... Non. Petit connard. Petit con. Il y a niqué mon atout, cet enfoiré. Vas-y, fuck. Je l'avais pas acheté, quoi. Putain, il coûte 4000, cet atout. J'ai le démon. Ah bah, il est là. Alors, toi, je vais me venger, mon pote. Tu vas repartir en enfer, même si là, en théorie, on est déjà en enfer. Faudrait mourir un jour, mec. Ouais, Nuke, ça fait 400 points, mais flemme un peu. Vas-y, la bise, bonne nuit, c'est carnaval. Bon courage pour demain. Bon courage pour ta rentrée. Merci beaucoup Loxor pour le follow. Et également Miguel. Bienvenue à vous, merci pour les follow Twitch. Installez-vous confortablement. Vas-y, bon, on va aller taper de la boîte. Pour améliorer le shield. J'aime plus comment on fait en solo. Genre quand il y a le cadenas, il faut faire ça, je crois. Et ensuite jeter le tomahawk dessus. Si je dis pas de conneries. Je sais même plus, c'est incroyable. Oh, la N94. Insane. Ok, peacekeeper. Au cas où. Non, c'est bon. VMP, vas-y, on en fait une dernière. Pour ce manche, en tout cas. Non. Ok, ok. Vas-y, on va aller faire du coup des kills au tomahawk. Pour se faire le shield upgrade. Tac. Hop. Hop. Et voilà, donc là, je crois qu'il faut faire des kills au tomahawk ici. Du coup. Si mes souvenirs sont bons et de ce qu'on m'a dit dans le chat. Hop. Oh, ça va être une galère de paquer ici. J'en souvenais pas. Un délire. Un délire, mec. Ça commence bien. Attends, je sors le spé. En plus, mort simple. Vas-y, j'en tue quelques-uns. Trop risqué sinon. Ah oui, là, bah, j'ai mal lancé là le tomahawk, j'ai l'impression. C'est combien de kills qu'on doit faire ici avec le tomahawk? C'est des manches ou c'est des kills? J'aime pas. Vraiment, je connais tellement pas cette map, c'est un délire. Enfin, je la connais, tu vois, je connais la base. Et genre, dès que tu dois faire des trucs un peu plus techniques. Enfin, bon, bref, on fait des trucs quoi. Puis voilà. Ouais, kilo 24, comment ça va? Vas-y, 3000. Il y a moins qu'on fasse le shield amélioré là. En vrai, je pense. Hop.
Attention, faut que le camp sont tu vas me gêner, je sens. Non. Pas maintenant. Ouh, elle est trop légère. Je vais essayer de pas la casser avec mes grosses paluches. Non, toujours pas. Oh bah attends. Eh hey, Gadjo. J'ai l'air d'un super sniper de l'armée russe. Mais attends, est-ce qu'on irait pas faire là le... Tu as compris? Le screamer! Il est toujours sur le toit, le screamer de Blood of the Dead? Je sais même pas où il est. Je me souviens plus, je crois que je l'ai fait une fois. Je vais se me dire, allez, pro Blood of the Dead dans le chat, il est toujours comme sur mob, le screamer. J'ai jamais joué à cette. Mais moi aussi, j'ai quasiment. Bah, j'ai fait le secret quoi dessus. Le mange-sang, je l'ai fait pas à la sortie du jeu, mais presque. Donc tu vois, je fais quasiment plus de game sur ce map. Et du coup, je suis vraiment là en mode. Ouais bah c'est... Ouais, c'est bien, c'est une bonne map. Et c'est là que je la connais peu. Et c'est pour ça que je kiffe la série où on fait tous les secrets secondaires. Parce que du coup on se remémore un petit peu tout ce qu'il y a sur la map et on se souvient à quel point elles sont complètes. Donc c'est une horreur. Ah c'est à la cour de récré vers une cabane. Oh c'est vrai, oui, 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 ça me revient. Je crois qu'il était galère à choper le screamer. Attends, je vais faire un truc plus simple. C'est là-bas, je crois. Ouais, c'est ça. Ah bah non, il était pas galère alors. Juste un mauvais souvenir. Ok. Bah Nat, c'est exactement là, tu vois, je m'en souvenais même plus. Merci beaucoup d'aide, Danger, pour le follow. Screamer. Hop, je valide ça. Je vous actualise la commande. J'ai eu peur. Waouh. Vraiment. Screamer lente, mais les screamers sur une map zombie. Je sais pas pourquoi ils appellent ça screamer, ils devraient appeler ça plutôt image subliminale, clairement. Enfin, c'est pas... Voilà, j'ai sursauté, perso. Ah. Ah, mais non, Cucu Mali, comment ça va? Merci Lenny pour le follow. Toujours pas. Je vais devoir m'approcher. J'aurais dû mettre un imperméable. J'ai rien eu. Ouais, c'est ça. C'est bon, bouclier spectral harmonisé. Let's go, les gars. Comment on va m'a dit. Screamer veut dire cri en anglais. Ouais, bah en fait, c'est ça. Hein. Mais c'est vrai que les screamers Call of Duty Zombies, c'est pas... Voilà, quoi. Je viens de me faire plâtrer de tagliatelle au son. Bah, ça va, tranquille. Ça va. Moi, je mange un bon petit repas fait par Morgane, voilà. Bah, écoute, ça va tranquille. Ça va tranquillement. On est là. Bijoule, bijoule. Notre sauveur. Il est là. L'élu est présent, Stormlux. Comment va Stormlux? Nous t'attendions, maître. Arrêtez de me claquer, putain, c'est chiant ça. Ah bah la boîte est juste là en plus. Mais du coup c'est lourd, on a le bouclier amélioré. Et on sait, quand c'est qu'on sait, waouh. Ouah mais là mon côté bourguignon, il vient de ressortir, c'est incroyable. Quand c'est qu'on sait que l'eau que c'est bon là le tomahawk l'eau. Wouah. Morgan top chef de 2020. Ah bah clairement. Clairement. Bon, un poulet sauce poivron avec paprika. Incroyable. Putain. Toute l'après-midi ça me donnait un mal de crâne. Ouais tu m'étonnes. Putain, c'est vrai que là qu'en ce moment ceux qui bossent et tout, enfin avec les masques ça va être une horreur. Ma mère tient un institut de beauté, du coup elle doit avoir toute la journée le masque aussi, je sais pas comment. Courage, courage. Il y a un cri de loup, tu entends un loup hurler. Ah peut-être que voilà. Et ici c'est une meilleure streameuse que toi. Je le prends pas à l'agonie. Je vais aller chez la concurrence. Vas-y on verra au pire à la fin de la manche si on a si on a une tête de loup qui a spawn quelque part. Quand c'est qu'on sait que c'est bon l'eau? C'est pas ma faute, je suis bourguignon en même temps, je suis un vieux campagnard, tu sais.
Putain. Ah, c'est honteux. Même moi, ça m'a fait mal au cœur, tu vois, de m'entendre dire ça. Normalement, on a une tête de loup, c'est ça qui spawn quelque part, qu'on regarde avec la vision comme ça. Vraiment, je... Vraiment, j'ai l'impression de découvrir la map, c'est une horreur. Avec toutes ces balles, je vais pouvoir tirer les yeux fermés. Ah non, j'ai pas l'impression d'avoir une tête de loup qui a spawn quelque part là, mec. Mon canalis, c'est que c'est pas encore bon. Mais bougez-vous, bande de cons. Eh, hey, merci beaucoup. Attends, on a un nouveau sub. K-RSH. Merci pour ton sub tier 1, bienvenue à toi dans l'armée des beaux mâles. Installe-toi, mon ref. Installe-toi, mets-toi bien, bien sûr, mets-toi bien. Chez vos subs. Hop. Double accent, donc on comprend ce que... Ah ouais, là, le double accent, il doit faire mal. Hein. Ah, il n'y a pas O3 derrière la cour, monsieur MDR. Le loup peut avoir plusieurs spawns. Non, mais je crois qu'il y a une tête de loup. Non, c'est pas ça. Genre, je sais que le loup, il a plusieurs spawns. Mais le loup, tu vois que pendant les manches spéciales, de toute façon. Ah non, la gueule de loup, c'est une fois justement que t'as récupéré, je crois, sur le loup fantôme. C'est ça? Je sais plus. Wesh, rubrique! Oh, mon shield. Bande de petits cons, là. Ah! Ah bah c'est bon, j'ai eu un cri. T'as entendu comme le chien? J'ai eu comme le chien. J'ai entendu un... Oh. Voilà. C'est mon chien. Non, c'est la tête d'abord. Ah, c'est bien ce qu'il me rappelait. Merci Zombizon pour le follow, bienvenue à toi. Mais donc... On va faire ça. Petit shield. Hop là, en plus on récupère notre spé, c'est incroyable. Donc là, théoriquement, je suis censé avoir une gueule de loup qui a spawn. L'épée de Takeo me parle. Voilà. C'est normal. Ah mais attends, mais merde, c'est vrai que j'avais le... Ah, c'est pas ça que je voulais faire, ta mère. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Changer d'arme et... Hop. Oh la bête. C'est vrai qu'elle était pas folle, la Magma Gat. Hein. Elle est mieux que la Seed Gat, mais bon. Voilà. Impec. Alors le loup, il peut avoir des spawns différents, c'est ça? Ou la tête de loup peut avoir des spawns différents? La faume caille. Je vous le dis, la faume caille, le chat. Hein. C'est le genre de truc que je fais jamais. Ou que j'ai fait à la sortie du jeu et voilà, après j'ai dit fuck. Maintenant, faut que je trouve... Ah, faut que je trouve le loup fantôme. Attends, mais j'étais sûr qu'avant, on voyait une tête de loup... Ah bah comme ça, tu vois, genre là, on peut voir une tête de loup. Non? Donc maintenant, faut que je trouve le loup. Regarde mon message. Bah remets-le, Storm, parce que du coup, bah il a disparu. Donc là, en gros, il me faut une manche de chien. Vas-y, attends, je vais faire une petite boîte, parce que c'est pas que l'Argus nique sa mère, mais... Et totalement. Oh, ok. Pourquoi pas. Une fois. Vrai, Gougou. Faudrait que je regarde mieux la prochaine fois. Donc là, on va passer les manches jusqu'à avoir une manche des chiens, en gros. C'est soit à la cour de récré, à la place de l'aigle, ou à la citadelle. De quoi, le loup? Ou non, la tête de loup. Wesh Kiz! Comment ça va, Kiz Nektube? La tête a plusieurs spawns, le loup se balade dans la map. Ok. Waouh, c'est vrai que le loup il se balade. Oh, c'est une horreur. Oh, j'ai oublié ce détail. Est-ce qu'on n'activait pas de musique aussi également? Est-ce qu'on a les musiques activées? Est-ce que vous vous souvenez comment s'active les musiques? Moi non. Voilà. Je veux savoir. Parce que t'as pas respecté les règles, Jazo. Mais Marco. Merci Marco, le 173. Ah que coucou. Ah que coucou. Polo pas le chat, c'est des menteurs. J'avoue, Storm. Indique-nous tout ce qu'il faut faire. Merci beaucoup pour ton rassemblement, en tout cas, chez moi, c'est mode Prime. Ah, mais si, la tête de loup. Putain, c'est bien ce que je me souvenais. Quelle musique? La musique classique. Enfin, la musique avec les objets, quoi. Non, c'était pas ça.
Alors. T'as la tête de loup, je m'en souvenais bien, tu vois. Pour avoir Where Are We Going, mais je crois qu'il y a un autre truc, une musique avec les objets, non? C'est qu'avec 115, la musique? Ah, vraiment, je connais tellement rien, c'est incroyable. Mais t'inquiète, on va aller du coup sur les guides de base, là. Les easter eggs, hop, on ouvre. Obtenir le Tomahawk Infernal, tu vois. Comme ça. Vous ne devriez plus avoir votre Tomahawk. Bah, je crois que j'ai encore mon Tomahawk, hein. Bah ouais. Ah, c'est bon. C'était mon Tomahawk. C'était ça. Eh oui, c'était ça. Bordel. Putain, je m'en suis souvenu. Comme même. Putain, bijoule, bijoule, comment ça va? Pas de musique classique à part son... Sculfusion qui lâche 5 subs dans le chat! Lâchez-moi des emotes subs, s'il vous plaît. Des emotes subs gift. Et nous, vous savez ce qu'on va faire, là, le chat? Est-ce qu'on irait pas un petit peu dans le Bomal Club, là? Bon, je vais être incrusté parce que j'ai un t-shirt vert, clairement. Mais là, pour les 5 subs offerts, merci beaucoup! Sculfusion qui offre 5 subs dans ce chat, qui a offert un sub à Epix, Vecrose, à Châtenois, à Pandamads, à Gakeru et à Telkel. Merci beaucoup pour le sub gift, ça fait très plaisir. C'est quand même incroyable. Lâchez-moi des emotes sub gift dans le chat. Let's fucking go! Bon, du coup, on va mettre la musique 115. Dans GTA ou quoi en forêt? Ah, mec! Ah, mec! On va aller au... Putain, comment il s'appelait, là, le truc avec les stripteaseuses? Merde. Ah, je sais plus. Je sais plus. Ah, putain. C'est carrément incroyable. Merci beaucoup, Fusion, en tout cas, pour les 5 subs. Ça fait plaisir. Très gentil. C'est insane. Bon, du coup, on va mettre une première musique secrète. Where Are We Going, la classique, en mettant 115. C'est bon, ça me plaît ça, ça a l'air d'être bon. Ouais. La zig du lockdown. C'est la machine à laver, c'est ça? Putain, c'est ça le unicorn, le truc. C'est ça. Incroyable. Bon, question de droit d'auteur, sait-on jamais? On désactive la musique, mais pour ceux que ça intéresse, c'est. Where Are We Going? Version, t'as la version Black Ops 2 et t'as la version Black Ops 4. Et question de droit, je préfère. Au cas où sur ma chaîne secondaire, j'ai pas mal de problèmes de droit d'auteur, je préfère désactiver ça. Et voilà, à ça le club de striptease c'est le Vanilla Unicorn. Incroyable. Tac, donc on a déjà fait. Bah attends, mais on a fait plein de trucs là que j'ai pas actualisé dans ma commande. Il y a plein de bails. Hop, musique c'est 115 du coup. Et je vais rajouter aussi 872. Et par contre, c'est quoi là cette histoire J'ai vu que t'as mis dans les trucs Storm Lulu. Le bail de. Ouais. De pêche là. Bonus pêche. Je sais pas quoi. J'ai pas compris le bail. J'ai pas compris ce que c'était. Et Pony, merci pour les 115 bits. Merci beaucoup. Le truc bonus pêche. J'étais en mode. Ça me disait rien. il peut spawn ensuite le toutou, histoire qu'on aille chercher rapidement. Ah ouais, genre c'est aléatoirement sur la carte. Le problème c'est que j'ai pas de... Merci beaucoup Slapper pour le deuxième mois de sub. Merci, ça fait plaisir moi. Salut, ça va? Bah écoute, ça va et toi? Donc là, il peut spawn partout, c'est ça le truc, hein. Ah ouais, putain, ça, mais j'étais pas au courant de ça. C'est pas la manche spéciale. Et Cruz!
ce 21e mois de sub. Toujours là, merci beaucoup. Si, c'est bon. Ah oui, il est là, le chien. Et attends. Il est passé où? Il est passé où, cet enfoiré? Genre, il court? Oh non, j'ai loupé, tu vas me dire? Merde, j'ai loupé? Ou alors il est que dans la zone là-bas. Je t'avoue, moi je connais pas, hein. Ah bah non, il est là. Ok, ça a marché. Et ensuite? Ok. Et là, je crois qu'on va avoir le tomahawk amélioré. Je connais pas, c'est une horreur. C'est une horreur, gros. C'est pas genre là? C'est pas... C'est où? Ah, c'est au même endroit que le tomahawk classique. Eh, je suis vraiment... Je découvre la map, c'est un délire. C'est grave, en vrai. Je suis vraiment désolé. Oh là là. Ah, c'est pas genre, c'est que... Du coup, là, quand j'ai passé la manche, ça marche plus. Je sais pas, j'ai envie de tester. Mais sans me faire spoil. Ou alors, ça reste tout le temps. Oh, je veux retourner dans les égouts. Ah si, ça marche, ça reste tout le temps, my bad. Putain, j'ai vraiment de mauvais souvenirs. Hein. Salut la nouvelle. Voilà. Et bah, let's go, on a le tomahawk, les gars. Let's go. Exalcase, merci pour les 200 bits. La moula tombe du ciel, c'est incroyable. Je me prosterne devant l'empereur des beaux mâles et lui offre ma bénédiction XD. Merci beaucoup pour ta bénédiction. Incroyable. Merci encore pour les 200 bits. Alors, est-ce qu'on ferait pas la cuillère maintenant? Déjà, tomahawk amélioré. On va valider ça. Après, on fera la cuitochette, on fait vraiment en dernier. Alors. Moi, j'irais bien vérifier un truc. Oh, merde. Patron. Là, le chef. Nicolas, il se laissera jamais te tirer dessus. Ah merde. En vrai, je packerais bien les zombies là, tu sais, pour les emmener au singe. Vu que j'ai mon spé level 2. Je sais pas si ça suffirait, mais commencer à faire le singe quoi. Mais ça, c'est level 2 qu'il le faut. Tu vois, même si je le finis pas, au moins que je le commence, le bordel. Ah bah c'est bon. Bah let's go. Oh là, il y a beaucoup de monde en fait. C'est bon. J'avais peur que ça marche pas au Reagan. Oh merde. Ah, oh fuck. Je vais devoir passer la manche, hein. Oh, attends, j'ai peut-être pas passé la manche. En fait. Putain, j'ai réussi à garder. Oh! Attends, est-ce que j'ai une charge? Tout se passe comme prévu. C'est incroyable. Les masques sont là-bas ou pas? Sur mon shop, bien sûr, c'est des masques en tissu lavable, bien évidemment. Oui, pas le chat. Actuellement, pourquoi j'ai pas le chat? À Canadien, c'était assez compliqué là. Là, c'était. Ouh! J'ai un peu transpiré du cul. 2-4-4. 2-4-4, ok. Ah, de toute façon, j'aurais pas assez de charge. Ouais, je plus essaye. Mais non, plus essaye de retour de vacances pour suivre tes lives. Comment ça s'est passé tes vacances? Tranquille ou quoi? Bien de volonté le sauveur, clairement. Bon, après sinon je serais fait down, hein. Je m'en fous, j'ai deux réa, je pense pas là tout. Ouais, mais si c'est un truc secondaire, on s'en bat les couilles en vrai, tu vois. Enfin, c'est une musique ou quoi. C'était combien, 2-4-4? J'avais dit combien les gens? Ça a marché.
C'est bon, c'est bon. Vacances au top, bah tant mieux. Tant mieux. Mais non, il va me manquer une charge. Bye. 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 On a là, hein. Du coup, c'était quoi selon toi, Stormbu? Dis-nous tout, Stormbu. On a besoin de toi. Tu peux téléporter une noix pour lancer un dialogue quand elle va se casser. Je peux téléporter une noix. Fuck. Putain, j'ai cassé la noix. Ah merde les gars, c'est ça craint là, ce qui se passe. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est mort pour la noix. Putain. Hop, et la cuillère. Let's go. Putain les gars, on a niqué la noix. Ça me fume. Je mets une follow du coup, putain. Non les gars, pas la noix. Ouais, j'enlève la noix. La noix, ça me fume. Surtout que c'est un truc pour les dialogues. Tout ce qui est radio et tout, en général, on a dit qu'on faisait pas, donc voilà. On va peut-être l'enlever. On a fait quoi? On a fait du coup les trucs des singes et bah la cuillère. On vient de faire la cuillère. Ça, au début, tu as dit la noix. J'ai eu peur, puis ensuite j'ai vu un dialogue. J'ai fait, mais je suis con, les cypher, dialogue et tout, on fait pas. Non, les secrets secondaires, quoi. J'espère que on va pas en faire des noisettes. Jimmy, peut d'ailleurs voir si c'est marrant. Oui, c'est sûr, c'est toujours marrant. Mais voilà, c'est pas plus essentiel, quoi, tu vois. Rip la noix 2019-2020. Rip la noix, les gars. Putain, la noix. Eh, les gens. Il reste que 20. Que 20 pour les 1200. Je vais... Mais t'inquiète, Storm, attends. T'embête pas. T'embête pas. Là, tous ceux qui ont leur prime, tous ceux qui ont leur sub. Lâchez vos putains de subs, même des subs comme vous voulez. On a rien de repasser les 1200. On est tellement proche. Faites-vous plaisir. Surtout que Twitch Prime, c'est gratuit. C'est bien Twitch Prime. Je vais voir de la moula. Ah merde. Hop, je saute au-dessus de monsieur, désolé. Donc là, je crois que dans le spawn, j'ai les singes, c'est ça. Mais sauf que moi, je vais pas les prendre. Ou peut-être il y a un temps imparti pour aller les chercher, mais en tous les cas, j'ai pas envie de les prendre parce que sinon ça me nique mon tomahawk et je veux garder le tomahawk. Mais voilà, en gros, là avec le spé level 2, ouais, c'est ça, tu vois. On a les singes à 5 balles si on veut ici gratuitement, donc c'est pour ça que je l'ai validé dans la commande. Mais j'y récupère pas. Pour la simple et bonne raison que bah, j'ai pas envie d'enlever mon tomahawk. Allez. Mourir monsieur, rapidement. Voilà, pour des charges, impec. Point de charge, ah, j'en ai qu'une pour l'instant. En vrai, qu'est-ce qu'on aurait à faire là du coup? Tu peux enlever les mains du Tenet pendant 10 secondes. On peut enlever les mains? Sérieux? J'étais pas au courant. Ça m'intéresse en vrai de savoir comment on fait. Genre pour le fun. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Encore, le 666 pour un Brutus. Le 872. Ah, la charge entière de bouclier. Tant qu'à faire, je la chercherai bien maintenant. Parce que tu vois, c'est un peu la flemme de parcourir toute la map après. Autant qu'on claque ça vite fait. On va voir du coup sur les boîtiers. Où se trouve l'étincelle. Tu t'accroupis, tu tires ou la main. Eh, voilà PTDR. Avec le bouclier ou juste avec une arme normale? Non mais attends, je savais pas que ça existait et c'est éclaté en fait. Genre no fake. Non, c'est pas pour genre pour récupérer là où il y a l'étincelle, faut cutter le boîtier ou faut faire quoi? J'ai jamais fait ça. Juste avec une arme en plus. Oh bah vas-y, on va tirer dedans.
Bon, ça a pas l'air d'être là. Faut quitter le boîtier, je crois. Mais ça en enlève qu'une, pété d'air. Ah ouais. Ça a pas l'air d'être là, la charge. Ça sert à quoi l'étincelle ? À te mettre full charge. Yo Dark Universal, comment tu vas ? Merci Fortex pour le follow d'ailleurs. Bienvenue à toi. Du coup, quelqu'un sait comment on fait ? Est-ce qu'on doit cutter le boîtier ou pas ? Toi, t'as pas l'air électrisé, hein, mon pote. T'as pas l'air... Je connais pas tous les emplacements des boîtiers. C'est... Ah bah, de toute façon, non, on peut pas y aller là-bas. Mais attends, mais du coup, apparemment... Hop là, je vais mettre ça pour être tranquille 2 secondes. J'adore les nouveaux cocktails. Les mecs... Et donc apparemment si je fais ça, je peux avoir des pièces de 3 armes. C'est ça le plan. Ah merde. Le faire en rampant c'est un peu fail je crois. Ah. Merde. C'est ça la pêche sans plus que tu me disais. Je sais pas. On sait tous, c'est vrai que rubrique faut pas, faut que j'évite, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut que j'évite de demander au chat. Voilà, en gros ouais, c'est ça, d'accord. Ouais bah du coup on valide là le truc qu'on a vu PHD, bah attends si vous voulez je vous remontre. Parce que je sais pas si vous savez mais sur Map of the Dead, sur le ponton, on voyait là tout 3 armes et PHD qui étaient pas présents sur la map. Sauf en lutte du coup, PHD il y était. Et t'as toujours cette easter egg là sur Blood, mais ça a un peu changé, en gros... Le délire. Voilà, y'en a un qui se pas à mes mots, comme le ban dans le chat, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Ago. Tu vois, y'a toujours PHD, mais 3 armes, il est tombé là-dedans. Et avec ça, tu peux faire remonter des bouts de 3 armes. Mais c'est tout, quoi. Genre, tu vois juste ces bouts de 3 armes dans le filet. Donc, en vrai, on peut valider le truc de 3 armes et PHD, là, dans le challenge. Merci, Azox, pour le follow. Azox 739. Y'a beaucoup courage, ceux qui ont leur rentrée demain. Je laisse me dire un storm. Ouais, t'inquiète. Allez, on valide. Où est-ce que c'est? Ah, attends. Non. Ah oui, Mulkick et PHD, c'est bon. C'est quoi le délire de la musique de la machine à laver, Storm Lulu? S'il te plaît. Ça va me dire du coup le bail. Ça va toi qui caspe. Ouais, j'ai l'agonie, comment ça va? Y'a un truc à faire en gros pour activer ça? Tu tires sur les boutons de la machine à laver 3 fois. Active. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'active les musiques. C'est vrai que j'ai désactivé. Les boutons, c'est-à-dire les boutons qui sont présents sur la machine. Attends. Genre ça? Où ça? En haut à gauche, ouais, donc c'était ça. Mais attends. Peut-être qu'il faut tirer une balle par une balle. Ça fait un bruit. Ah. Ça fait un bip. T'as entendu?
Mais ça a pas lancé la musique. Tant mieux. T'as activé son musique? Non, j'ai activé. Retire. Ou je retire. Ah oui. La musique 115, on l'a déjà fait. Exact. C'est la musique quand on fait la machine à laver en fait. Si on mob. Bah oui, je suis con. Enfin oui, c'est logique en fait. Stylé de ouf. J'avais jamais fait. Ok. Bélour. Lourd de ouf. Ok. Bon, on avance bien. Est-ce qu'il reste des charges ou pas? Non, pas du tout. Ah oui, je cherchais le boîtier. Tac. Incroyable ça. Est-ce qu'il y a pas un boîtier électrique là? Non, y'en a pas. Donc ça va être côté spawn. Pour chercher quand même, tu sais, les étincelles là. Ah bah non, mais y'a celui-là. Y'a pas d'électricité dessus. Dommage. Genre, vas-y, Storm. Et après, je vais remettre la clim là, parce que je commence à crever de chaud dans ce studio. C'est horrible. Hein. Y'a pas un boîtier là derrière? Non, y'a pas de boîtier de trépas ici. Y'a le boîtier de piège, mais pas de boîtier de trépas. Une fuite éclair. Oh, ça vaut le coup. Merci Kirikou pour le follow. Et Chosali. Bienvenue à vous. Mais je l'avais qui est sort de la musique. Oh shit. Non, ça peut être... Bah c'est où alors? Ça peut être où le bordel là? L'électricité. Attends, il me manque un atout d'ailleurs. Hop, voilà, c'est bon, problème réglé. À base de quoi? De viande de maman. Y'a pas de truc d'électricité? Là. Bah, le truc d'élec, je crois, il est nulle part. Je sais pas comment ça marche. Comme ça, au moins, j'aurais sprint limité, je serais trop bien. Il n'a pas au spawn. Putain, comme par hasard, Somlux, il est plus là quand j'ai besoin de lui. Quelle indignité, je suis triste. Bon, je crois qu'on va commencer à faire l'histoire avec de la cuillère en or. Je pense. Il faudra quand même qu'on commence à le faire, ça va être le plus long de toute façon. Ok, ça c'est fait. Améliorer la cuillère en or. Et... J'aime l'argent Flapix donc. Moi aussi, merci beaucoup en tout cas. Ok, bah là c'est comme sur mob en fait. On va aller faire ça. On va commencer l'étape de la cuitochette ultime. L'arme de couteau la plus cheatée de l'histoire du zombie. Eh. Moi la paix toi. Ah oui, donc apparemment on peut tirer dans le trou là. Voilà. Ah exact, on peut retirer les bras.
Bon, alors on a fait une petite histoire avec bonus, les gars. On a tiré. Je savais pas qu'on... En fait, que si tu tirais sur les bras, bah, que ça. Voilà, enfin, c'est ça. J'ai pas compris ce que je voulais dire. Oh là là. On entend le message, bah oui, on entend le message ça maintenant, c'est trop bien. Hop, on ouvre là aussi. Vas-y, j'ai plus de points, c'est un délire. Je suis fauché. Hop là, parfait, on a posé la cuillère. La cuillère. Et là, faut que je fasse des kills à la magma cat sur le top. On the top. Bah du coup, on va faire des kills ici. Ah, c'est vrai que j'ai plus la cuillère. Il est vrai. Oh, le x2. Vu que je suis un peu pauvre, là, ça va faire du bien. Ah, monsieur meurt s'il te plaît. Impec. Je pense que c'est toujours pas bon. On va aller vérifier. Ah non, c'est pas assez rempli. Mais tu vois, du coup, ouais, ça tombe du toit le sang. Faut qu'on fasse encore un peu de kill. Du coup, on va encore refaire un peu de kill. Tac, hop, ça part. Ah, un min-max. J'ai un peu fait un petit min-max. Oh là, oh là là, oh là là. Putain, c'est un bordel là un peu. On va faire gaffe. Oh là, oh là, oh là, oh là. Pas capable de chez Magmagat, non? Non! Peut-être que oui, en fait. Hop. Ok, le pack-up punch est là, pourra peut-être améliorer la Madox à la limite. Merci beaucoup, Nonet Baby, pour le follow, bienvenue à toi. Ah. C'est bon! On a réussi ça. Donc on va aller récupérer la cuillère en or. Du coup. Un vrai. On avance bien pour l'instant dans les secrets, c'est cool. Il manque 2-3 trucs à faire après. Après il manquera quand même la cutochette. Hein. Il est un petit peu long à faire, clairement. Alors. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus, fallait que je tire où. Ah, là. Là. Ok. C'est pas là. Enfin, je ne sais... Oh là, j'avais pas vu, hein. Mais qu'est-ce que je fais sans plein de manches aussi, moi, je suis con. Je suis pire des cons, un peu. Vas-y, attends, on va laisser un petit zombie à la fin de la manche. Pour être tranquille. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est dans les plaques en métal. Je connais plus leurs emplacements. C'est les plaques qui entourent un petit peu de jaune. J'aurais dû garder le hogger en fait. Et attends. Sauf que faire ça avec tous les zombies au cul, c'est peut-être pas la meilleure des idées. On va peut-être faire ça en fin de manche. Oh là, oh là. Oh, mais foutez-moi la paix, c'est pas possible, mon maire. Ah, c'est vrai, j'ai ouvert ici, putain, mais je suis con. J'ai plus l'habitude. Et pourquoi j'ai ouvert alors que j'aurais dû. Ah, bah non, pour faire la magma 4, j'avais pas le choix en fait. De toute façon, d'ouvrir ici. J'allais dire pour la strat, en fait, j'ai niqué le truc. Mais pas du tout. Ah, j'ai eu trop peur. Waouh. Merci, Lochelab, 1664 pour le follow, bienvenue à toi. Ouais, c'est ça. Et le dernier, il est là. Ah, il est où le dernier truc jaune?
Tiens, je vois d'où je suis au moins. Oh là là, bonjour monsieur, je vous avais pas vu. Donc là, j'en ai eu 2 sur 3. Mais je peux pas aller le troisième. J'ai pas l'air con du coup là. Là. Et où est la troisième plaque jaune? Attends, pas me faire chier. Hop là, yam yam yam. Coup de pression pour le jeune papiste. Bah là, ouais, j'ai commencé à bégayer un petit peu. Gaz moutarde. Ou du jus de raisin. C'est lesquelles de plaques en métal sur lesquelles je dois tirer là, la dernière, elle est où? Vous connaissez ou pas le chat? J'allais regarder une vidéo au pire, ce sera plus simple. Hop. The Golden Pass Guide en plus, putain, un guide vite fait. Nickel. J'ai un petit tuto hein, si vous dérange pas vite parce que Stormlux n'est pas là pour m'aider du coup. Ouais. Et vu que sans Stormlux, je suis perdu. Attends, mais faut. Super, je regarde un tuto et il le détruit pas lui. Mais je vois vraiment pas où est le dernier truc jaune. Hein. Genre no fake. Storm, j'ai besoin de toi. Il est où le dernier truc pour détruire la tour? Ce flingue bouffe autant que ma babouchka. Non, parce qu'il y en a. Ah mince, ta bug à la sortie du jeu, on pouvait récupérer sans détruire la tour justement. Mmh. Y'en a qui connaissent? Il est sur la tour, merci Gogu. Ça fait plaisir de savoir qu'on a de l'aide comme ça là, c'est... Bien, j'aime bien. Faut arriver, va. Oh, il est visible que d'un autre côté. Je prends le logger au pire, je vais prendre le logger. Va sur le toit du... Putain, c'est pas con, ça. Dit wow. Comme ça, tu vois, c'est... Putain, mais... Alexis, bien vu. Oh. Bien vu, bien vu. Ouais, il faut vraiment que j'aille mettre la clim, je suis en train d'agoniser, là. Un délire. Grosse batteuse et grosse spam, c'est ça. Je cherche une grosse batteuse, là, et ça va partir. Hop. Viens voir Nicolas. Voilà. J'ai gardé le hogger, de toute façon, je la kiffe trop, cette arme. En zombie, elle est trop cool. J'ai rien compris. Ils sont trop chiants, tu peux pas faire de rampant sur ce jeu, c'est une horreur. Ben oui. Ah. Bah, elle est toujours pas cassée, là. Pourtant, je fais tomber toutes les plaques en métal. Tac. C'est 3. Bah, ce qui est cool, c'est qu'on a des youtubeurs qui font pas des guides complets. Je vais voir, voilà, celui-là. 1 minute 35, c'est parfait. Ah. Il y en a 5, ok. C'est un youtubeur franchement ricain, il s'appelle Glitch, il fait des tutos, il appelle ça Fast Guide, en gros. Enfin, Fast Guide plutôt. Non, mais je sais pas parler. En gros, tu vois, en 1 minute 30, 2 minutes, il te fait tout le tuto. Genre vraiment, c'est rapide, précis, il te montre tout, c'est un délire. Il est beaucoup trop fort. Bah, celui-là, je l'ai déjà eu, je crois.
crois, celui qui shootait par là, je l'ai déjà eu. Ah non, il le regarde plus de là-bas, il semble. Bah non, j'ai déjà fait. C'est celui-là. Ah, j'ai pas vu, il y a du sang qui coule. Là, j'avais jamais vu. Bah non, désolé d'en avoir rien à foutre des easter eggs qui puent la merde en vrai. Hein. Clairement, ça c'est des trucs totalement useless. Ça devait être temps pour les secrets, c'est inutile pour les runs. Voilà, c'est un easter egg pour être là, quoi. C'est un truc qui est là pour être là. Voilà. Voilà, c'était le dernier celui-là. Attention, une tour sanglante. Moitié électrique, j'étais à côté de l'arme que tu viens d'acheter. Ah, j'avais pas fait gaffe. Et donc là, j'ai récupéré la truc, hein. Tirer la balle réelle ici. Bleh. J'ai la golden. Spork. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire là? C'est ça? Je sais pas comment on dit. Mon triarche sont très intéressants. Bah, c'est très arche. Je te vois bien à toi, Théo. Installe-toi, frérot. Non. Ah non, il est pas là, le boîtier. C'est pas ça. Ça, c'est pas ça, mec. C'est pas ça, le boîtier électrique. C'est pas ça. Hop. Ok, on a la cuillère en or. On va pouvoir passer à la suite. Et c'est là que ça a commencé à être compliqué et long. S'il vous plaît. Spoon. Ah, spoon. Merde. Ah mais c'est fourchette. Là c'est une fourchette. Je paye des petits pics. Alors, et avoir la cuillère en or et le rédempteur de l'enfer. C'est fait. Pour obtenir cette amélioration, l'atout la métairie sera très utile. Bon. Ouais. Pas nécessaire, utile. Ah ouais. Video, I'm going to be showing you how to up this. Find a link to my quick guide in the description. Now in that guide, I say you have to get about Street's building. That is actually incorrect. You do not. And as you can see, the tub then changed to blood. Huge thanks to Coaster Maniac and Mikey Myers for confirming this. So after you pick up your golden shank from the press machine, go back to the tub of blood and interact with it. When you do, the skeleton hand will rise and take away. Attends, vraiment que je fasse ça là? Je dois tuer 100 zombies au cut dans un petit endroit de merde. Et le boucle amélioré pendant la session challenge. Bon, je sais, il est où le boîtier? Non mais les boîtiers, j'ai trop la flemme, je chercherai à la fin. Wouah. T'as récupéré les joyaux? Non mais ça c'est à la fin les joyaux. Là j'en suis vraiment au tout début, j'ai envie d'avoir la golden... truc. Les joyaux, j'ai le temps pour ça. J'ai même pas fait les trucs là qu'il faut. Pas genre. Faire des kills là. Merci beaucoup, Forny. Pour les 100 bits, merci beaucoup. Just for one. Qui offre si un sub à Winnie. Je te file des cours des anglais morts de rire. Merci beaucoup, vas-y, je suis chaud. Et merci beaucoup pour le sub offert. Let's go, plus que 10 subs pour le daily sub goal. Plus que 10 subs et 19 pour les guides de sang. Si du coup Storm là, ce qu'il faut que je fasse, je crois que c'est tu sens zombie là devant. Ensuite que je donne la pierre. Que là il y a la truc. Qu'ensuite je prenne ça, je pose, je sais pas. J'ai fait une fois dans ma vie ce truc. Tellement c'est long et inutile. T'es encore sous fond vert? Ouais là totalement là. Ouais, allez regarde. Voilà là je touche un fond vert. Et Frog One qui offre 2 subs à la chaîne. Merci beaucoup pour les 2 subs offerts. Bah vas-y Storm, je te laisse me dire comment il faut faire parce que là j'ai pas compris. Ah mais Supra il avait fait un bon guide. Au pire Supra il fait un bon guide. Tu veux, voilà c'est ce que j'allais dire gars justement, voilà. À peine quand t'arrives, tu vois, je lis dans la nuit, j'ai su que t'allais dire ça. Merci beaucoup pour les 2 subs offerts en tout cas, ça fait plaisir. Vidéo Supra le 34. Voilà. Bonjour à tous.
let's go pour le Bowman Club avec les 5 chevaux verts de Rémi, DDS09. Incroyable, et Just for One qui rentre de sub aussi. Mais c'est insane, merci For One pour le sub offert à Julien49 et à Exodraco. Et merci beaucoup à Rémi pour le sub offert à Jason, à Cool Skeleton, à Zolikan, à Crozen et à Spartiat. Merci pour le sub gift, Pénéval. Ça fait plaisir. C'est carrément incroyable. Insane. Let's go, retourne aux 1200 subs. Let's fucking go. Putain, le tank là, on regarde le petit guide, ce tuto. Bienvenue pour mon premier tutoriel sur cette chaîne. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'autres, mais j'avais envie de vous présenter la toute dernière trouvaille sur la map Blood of the Dead. Je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui ai trouvé cette easter egg. Les chaînes et les personnes que vous trouvez seront évidemment en description. Comme vous le savez très certainement, incroyable. Sur Blood, on peut récupérer une cuillère pour ensuite l'améliorer en cuir en or. Et bien récemment, deux nouvelles améliorations de cette cuillère. Ah, c'est long, Supral. Il faudra alors réaliser 100 kilos cut à l'aide de votre cuillère en or. Une fois tout ceci en votre possession, placez-vous devant le bassin situé au niveau du bâtiment en sortant du spawn. Il faudra alors réaliser 100 kilos cut à l'aide de votre cuillère en or. Ouais, c'est ça, c'est d'abord 100 cut. Et c'est encore incroyable, un sub offert de la part du beau mal Just Frog One qui fait péter le daily sub goal. Merde, je vais pas passer sur ma scène talk. Là sur ma streamcam, je voulais changer le sub goal. Faut l'augmenter du coup. Attends, là on l'a atteint. Bah GG du coup, les gens. C'est incroyable. Vas-y, on passe à 45. 40, 40, on va se loger de chill. C'est septembre, c'est le début. Merci pour les sub gifts, les frérots, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir, merci beaucoup. Il y aurait pas un petit gun à acheter pour que t'aies plus vite? En vrai? T'sais, parce que là, avec l'auger, ça va être long de cutter. Et second, la pique, c'est ça, c'est changé. T'as vu l'étape finale? Je m'en souviens plus, je crois qu'il faut faire beaucoup trop de... Ouais, ça là, c'est récupérer les pierres. Trisez, attendez que la grue vous apporte le panier et jetez votre tomahawk dans le panier. Ouais. Ça après c'est faire des kills, enfin des trucs au piège. Dans le portail non loin du bassin de tout à l'heure. Pour la récupérer, il faudra lancer votre tomahawk sur la pépite lorsque le portail sera ouvert. Et lancez votre tomahawk derrière vous. Ouais, c'est ça. Récupérez alors vos pierres précieuses fusionnées. Qu'à faire un peu plus de dégâts au Brutus, et à nouveau votre touche d'action sur le bassin, le bras du squelette sortira à nouveau et vous prendra votre couteau. Rendez-vous au niveau de la passerelle, vous verrez qu'un couteau sera accroché sur un panneau. Vous devrez alors ramener un Brutus au niveau du couteau et vous devrez le tuer au cut. Le bout de tissu accroché s'en ira lorsque le Brutus sera mort. Ah, ça va être drôle le Brutus. Mais est-ce que le katana ça compte comme un kilo couteau? Ah, est-ce que ça compte? Bah je respawn le Brutus à ce moment là en vrai. Je viens de penser d'ailleurs. Ah, ça compte pas. Ah tant pis, mais de toute façon je mettrai marge des zombies. J'enlèverai son casque. Je mettrai un peu plus de dégâts puis ensuite du couteau. Putain, c'est vrai, j'ai oublié cette étape. Ça fait trop longtemps. Hop. Et du coup, c'est en tant que t'es là, quand il y a l'électricité sur un boîtier, faut que je fasse quoi? Faut que je fasse ça, un cut? Que je fasse ça? Ou que je fasse ça? C'est pas du tout. Rémi! BDS09 qui lâche 10 subs offerts dans le chat! Sub offert à Alex, à Seb, à Lulu, à Sky, à Anto, à Auguste, à Guillaume, à Ice Bob, à Guigui et à Laric. Merci pour les 10 subs offerts dans le chat. C'est incroyable. Insane, 10 subs. 10 subs, voilà, genre juste 10 subs. Putain, mais c'est incroyable. Merci beaucoup. Oh, la folie. La folie, quoi. Ce délire. Juste... Ah, c'est maintenir carré avec le shield en main. Ok, merci, Gaz. Et Frog qui offre en plus de ça un petit sub à Yizen.
Merci beaucoup pour les subgifts. Insane. Un délire. Crac, que c'est beau. C'est carrément incroyable. Avec un peu de bol, il bouffe que de l'allemand. Ça saigne, ça me fait pas peur. Ah les gars, il y aura une rediffusion sur la chaîne YouTube secondaire, si jamais on arrive à faire tout ce qu'il faut. Ça en fait des subgifts bas de ouf, putain. Let's go. Hop, le minmax, très utile là. Cette richesse ne peut pas appartenir à un seul homme. Et gaz, l'électricité, c'est sur n'importe quel boîtier de la map? Parce que là, genre, j'ai cru faire tous les boîtiers et je l'ai jamais vu à la manche 16 ou 15, je sais plus quand j'y ai fait. Putain, bah go faire 100 kilos cut là. Ah, c'est vrai qu'il y a un spawn ici, putain, c'est trop chiant. Spawn là, il fout tout en l'air, sinon on serait bien. Oh là, j'avais pas vu. Oh non, j'ai putain sorti mon spé. Oh, dommage, bon, c'est pas grave. De toute façon, vu les points que j'ai, on est pas assez prêt. J'irai rechercher les atouts après, un peu la flemme pour l'instant. Et pourquoi j'ai le raygun, moi d'ailleurs? Alors, Brutus, tu pouvais venir à un meilleur moment quand même. Quand même. Mon ref, t'assures pas là, Brutus. Merci, Frogwan, pour les deux, c'est mon père. Merci beaucoup. Je suis en train d'aller rechercher. Ah mais on a pas de mine, enfin pas de... On a pas speed cola du coup. Bah ouais. Ouais bah du coup on va aller chercher hein, les atouts. Chaflemme, ça va rien. Putain. Nope Julien. Nope. J'ai oublié qu'il fait. Si tu voulais speed quoi là, il fallait que tu prennes tous les atouts. Comment que j'ai là? C'est un délire. Vas-y, viens là, allez, passe dedans. Ah ben non, mais je comprends. Putain, je suis encore en train. Non, mais ça me le. Je vais pas m'énerver, les gars. Non, je vais pas m'énerver. Bah, j'espère que ça va vite se régler. Parce que Fanta nous avait dit que ça lui était arrivé et que c'était parti au bout d'un moment. Devinez qui ne peut plus sortir son spécialiste comme la semaine dernière. Ah, triarche, bordel. Je vais venir faire 200, merci pour les 200 de subs, Slick. Putain, mais il se passe quoi, wesh, tous les subs, c'est un délire. Joyeux anniversaire, visage avec des larmes de joie, visage avec des larmes de joie, 2 ans quand même. Merci beaucoup pour les 200 de subs, un délire. Putain. Triarche, je vais me casser les couilles à passer à faire des jeux. Pire développeur de Call of, c'est un délire. Pourquoi c'est toujours pas patché? Ah, je l'ai ok, ça y est. Ça, c'est toujours pas patché, c'est un délire. C'est depuis la sortie du jeu. C'est incroyable. La sortie du jeu, c'est là et c'est pas patch. Il serait pas là, le truc. Oh, dommage. Putain. Shame on Treyarch, les gens. Incroyable. Un délire. Je suis déçu de Treyarch. Et du coup, Gazon, aussi, tant que t'es là, une fois que j'ai récupéré les pierres, faut que je les mette sous les pièges, juste que j'active le piège, ou je dois faire des kills avec le piège pour charger le joyau. Enfin, le truc. Treyarch, quoi, ouais, c'est ça. Treyarch, on fait Infinity War aussi. Cette phrase n'a aucun sens. Infinity War, c'est un film. C'est rien d'autre. Merci Raptor aussi. Merci beaucoup Raptor. Pour... Putain, avec Tyranny qui offre 100 bits. Incroyable. Visage avec des larmes de joie. Visage avec des larmes... J'ai coupé le truc, Tyranny, désolé pour toi. Le train de la hype qui est là, les gens! Mais oui! Bah, désolé, Tyranny, je t'ai niqué. Merci Raptor, en tout cas, pour du coup le resub. Et les gars, qu'est-ce que je vois? Serait-ce pas un petit train de la hype? J'écoute, hein, mais. Mais oui!
c'est un train de la hype. Effectivement, let's go les gens. Le train de la hype est de retour. Accompagnez-nous dans le fameux bus, même de la hype je dirais, pour le monter level 2. Si vous avez des cheers, envie d'offrir des subs, ou vous avez envie de lâcher votre sub tier 1, ou vos primes, n'hésitez pas à lâcher tout ce que vous voulez justement pour monter le train de la hype au level 2. N'hésitez pas, ça ferait plaisir, notamment Rivjellal, avec ses 685 bits et qui monte le train de la hype au level 2. C'est incroyable. C'est parti pour un tour du monde avec le train de la hype. Un tour du monde avec le train de la hype. Let's go le monter. Le bus de la hype, c'est ça exactement. Écoute ça. Bien sûr, le bus de la hype, il est là, il est présent ou quoi? Un délire. T'as un pauvre tyrannie qui s'est fait niquer, c'est tous ces smiley avec des larmes de joie, smiley avec des larmes de joie. Je t'aime quand même mon tyrannosaure. Ah voilà, lâchez vos subs, ce que vous voulez là, faut monter le train de la hype. Au moins level 3, au moins. September actif, c'est déjà actif là le September, c'est bon? Et Aurelio, le resub pour le 6ème mois. Ouais. C'est en train de s'enchaîner, c'est un délire. Mon petit Flappy. Je boot. Coucou mon petit Aurelio. C'est incroyable là. C'est un délire. Y'a pas d'autre mot, c'est vraiment un délire. Wesh Bibiman, comment ça va? Tain. Ah bah il est là. Ah bah. La clé bouclier est prête. Apex, c'est bon, on a réussi ce petit truc. Ok, gaz. Au pire, j'ai recheck le tuto de Supra, là, en vrai. Bien, carrément, bah si ça va bien, tant mieux, du coup, Bibi. Ils sont les derniers zombies, là. J'ai juste validé, du coup, le truc charge de bouclier. Hop. Et c'est quoi la 100%? Non, attends, on n'avait pas pété les 50, calme-toi, grain fou. C'est déjà énorme. Ah oui, les gars, le September est là! Exact! Actualisez le stream. Effectivement. Tiens, je vais vous montrer. Je sais pas si c'est bon là, si je peux vous le montrer. Normalement. Flapix. Le BG Yotrexouille, comment ça va? Voilà, le September est là, économisez jusqu'à 30% sur les nouveaux abonnements. C'est ça, let's go les gars. Donc si vous voulez prendre un sub, là c'est le moment en fait. Là c'est le moment, le September il est là, lâchez-vous. En gros ce qu'il y a, c'est que je crois que le sub du premier mois, il est à moins 20%. Si tu prends un sub pour 3 mois, c'est à moins 25%. Si tu prends un sub pour 6 mois, c'est à moins... à moins 30% je crois, un truc comme ça. Mais là tu vois, le September est là. Donc c'est le moment de cliquer sur le bouton s'abonner, voilà. Putain, mais merci de me prévenir dans le chat. Ça y est, le September, il est là. Et en plus, c'est un live, c'est le moment là. Attends. Attends. Ah, il moins de 30% pour les resubs. Et... Rivjellal, le 27ème mois de sub, le resub. Et donc, les resubs sont à moins 30%. Vraiment? Oh là. T'as 27 mois! 27 mois de sub! Là, donc les resubs sont à moins de 30%, mais là, vraiment, c'est le moment de, en fait, de lâcher vos subs et vos resubs, le chat! Clairement! Un délire! Attends, il est où le toutou? J'arrive juste à tuer le chien, moi! Voilà! Et en plus, toi, t'as passé ton sub tier 2? RIP, exact! T'es maintenant un des rares sub tier 2 de cette chaîne, c'est incroyable! Bon, je vais claquer les 6 mois alors. Mais là, en fait, ouais, c'est bah. De toute façon, le September, c'est toujours le moment de lâcher les grosses. Enfin, ouais, si tu veux te sub longtemps à une chaîne, c'est clairement le moment. Hop. Putain, j'ai joué le tier 2. Ça fait plaisir, merci beaucoup, frérot. Ça régale, grand BG. Et les sub gifts, je sais pas s'il y a de réduction. Wesh, Yiku, comment ça va? Désolé, je peux pas, tu sais, quand il y a beaucoup de monde, hein. C'est plus compliqué, forcément. Il faut s'organiser. Que ceux qui veulent mourir en premier lèvent la main et disent... Le September est là. C'est incroyable, ça. C'est beau. Ça va être long, là, les cuts.
C'est le premier où je passe mon sub au level 2. Bah merci beaucoup. Y'a pas l'air éduc, c'est là, faut juste actualiser, je crois, ou attendre un peu. Et moi, c'est bon, là, je vais aller voir, moi, c'est là. Oh là, oh là, oh là! Inutile de pousser, camarade. Et si jamais c'est pas là, bah ça arrivera peu à peu, c'est tant que ça s'actualise partout, je pense. Mais les réducts, c'est que sur certains trucs, hein. Genre, c'est pas partout. Genre, c'est là pour les resubs ou pour. Genre, les premiers subs, je crois, un truc comme ça. Enfin, à gauche, je te laisse nous dire exactement, hein, toi, tu connais bien. T'es un pro. Oh là 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 là! Hop! Ah, tu parlais du gift! Oui, gift, y'a pas de réduction, je crois, pendant le September. Mais en gros, là, ouais, y'a moins 20% sur le sub tier 1, moins 25% sur 3 mois de sub, et sur 6 mois de sub, y'a moins 30%. Et. Mais j'ai pas vu qu'on a 1200 subs! Ah, mais oui! Et les resubs, apparemment, c'est à moins 30%. Oh, mais ça, ça fait depuis longtemps, Alexus! On peut pas les trophées là! C'est trop bien leur September en vrai. On sait pas. Ils devraient faire des réductions sur tout. Du coup, je vais utiliser le. The sub goal. J'ai pas vu qu'on était repassé putain en 1200, c'est incroyable. Un délire. Hop. Ah, c'est toujours pas bon. Y'a pas d'âme qui part et tout. C'est un peu chiant. All of Prey, je peux, mais ça bug souvent. Quand il y a des gros, c'est genre, j'ai pas du 20 subs offert d'un coup, ça bug un peu. Genre, tu peux, mais c'est pas très opti, quoi. Il a toujours pas fait les 100 kills, putain, hein, ça va être long. On a tué que 40 je crois, je sais pas, je compte pas, je t'avoue. De toute façon ça va le faire hein, d'ici les prochaines manches. Putain mais c'est galère ce truc hein. Ok, on va paquer la tranquille par contre. Retourner en enfer. Hop. C'est bon, je pense qu'on va avoir toute la vague, on va pouvoir commencer à retourner cutter. En faisant des allers-retours, tu vois. Vas-y, bonne nuit, William. On va faire des allers-retours comme ça, de toute façon, pas trop le choix. C'est tellement dur de cutter sinon ici. Merci Iron Mill pour le follow, bienvenue à toi. Oh tiens, un zombie qui est sorti de là-dedans. Un délire. On va pouvoir commencer. J'aimerais bien avoir un charpentier aussi après. Attends toi. Non, c'est toujours pas bon. Il en faut quand même du zombie. Faut en tuer. Du zomblard. Ouais c'est ça à peu près exactement. Ouf, putain, je galère à parler, c'est un délire.
Parce que Drix, je préfère qu'il soit en plein milieu justement parce qu'on passe tout le temps au milieu. Là on est là juste pour le moment, mais après on y va plus. Ça sert à rien de le construire ici si on vient là une fois dans la game. Juste au fan, ouais, juste le fan. C'est vrai que c'est plus simple. Vas-y, est-ce que je peux passer là? Ou ça va être risqué? C'est bon, c'est passé. Ça le fait. Voilà, double claque. Ça picote. Oh, min-max. Incroyable ça. C'est vrai que là, j'utilise beaucoup de balles. Ah, c'est bon. Ok, on a fini les kilo cuts. Wouhou. Incroyable. Aïe. C'est bon, ça me plaît ça. Ok. On va retourner voir le guide de Supral. Niveau du bâtiment en celui et le bassin sera entièrement rouge. Maintenez votre touche d'action sur le bassin, une main sortira alors pour récupérer votre cuillère. À présent, vous devrez récupérer 3 roches à l'aide de votre tomahawk. Une à gauche de la maison du bouclier. Ok. Ok, ok, ok. Vous m'en voulez d'avoir oh merde. Ouais, j'ai juste quelques zombies, peut-être là. Non, c'est quoi, fuck. Il fallait que tous les zombies au cul. Vas-y Rose, noir ça marche. Dans le bon sens, putain de on a toujours pas fini tout ce qu'il y a à faire, c'est un délire. Ça te moque amélioré bien sûr. Tum, tum, tum. Alors j'allais chercher un shield par contre. De toute façon pour la session challenge, je vous ai toutes les infos, tout ce qu'on a fait déjà. Là on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Je crois que c'est pas cette fenêtre. C'est laquelle? C'est celle-là, je crois. On va peut-être laisser un zombie. En fin de compte. Merci beaucoup pour les 100 bits, Forny. Vous devrez récupérer 3 roches à l'aide de votre tomahawk. Bonne nuit, Flapix, beau mal à demain, la commune. Au niveau de la bibliothèque. Merci beaucoup. Bonne nuit à toi. Ok. Vas-y fuck, on a des points. C'est le flingue que je cherchais. Étendez-vous les gars. Nicolas, il prend les choses en main. Ah c'est vrai que j'ai plus le petit cut. Oh, attends moi, par contre le toutou là. S'il te plaît mon ref. J'aime plus me faire chier qu'autre chose. Tiens, si j'ai pas envie de tuer tous les zombies, tu vois. Faut juste que j'arrive à en garder quelques-uns. On va pas prendre la nuke, par contre. Mon personnage préféré, j'ai fait une vidéo dimanche, donc je te laisse aller voir la vidéo. Ok, c'est bon, on a eu la caillou. On a eu un premier caillou, on va aller chercher le deuxième. Ça, c'est la deuxième fois de ma vie que je fais cet easter egg quand même. Tellement il est juste long et inutile. C'est stylé après, c'est sûr, mais bon. C'est bon. Attends, j'ai bien pris la caillasse. Ouais, il y est plus.
Apec. On va descendre tranquillou. On va aller chercher comme ça la dernière caillasse utile. Oula. Pardon, excusez-moi les zombies, poussez-vous. Oul, qu'est-ce qu'il y a, Tyranny? Qu'est-ce qu'il y a encore? La clé est chargée. Bref, attends, hop là, pour être tranquille. Voilà. Sinon, ils allaient nous faire chier là, les zombies. Voilà, éloigne-toi un petit peu. Ouais, comme dit Poupouille, hein. Comment s'est passée votre entrée, les BG? Troisième caillasse. Let's go, les gars. On avance, on y arrive. Une fois les... Okay. Trois roches en main, vous devrez alors les poser au milieu de chaque piège et réaliser une centaine de kills avec chacun des pièges. Centaine de kills? Taille non loin du bassin de tout à l'heure. Voilà, portail sera ouvert. Sera ouvert. Partons de là. Ok. Ah, ça va être drôle là, les gars. Là, ça va être drôle. Heureusement que j'ai des points, putain. T'imagines sinon? Oh la merde, qui ça aurait été? Ah ouais, Zenline, bah mon pauvre. On en parlera dans 10 ans. Quand tu regretteras. Il me donne la gerbe, cette hystérie. Oh, en vrai, il est sympa à faire. Mais tu vois, c'est pas un truc que tu feras tout le temps. Genre, pendant un secret, tu t'en fous. Quand tu fais le secret principal. Là, t'as dit comment ça va? Quand tu as BG. Bah, pour la session planning, si vous voulez voir. Et d'ailleurs, les gars, demain, on fait un truc exceptionnel. Un truc qui vous donne un coup de vieux. La campagne de Call of Duty Black Ops 1. Ah, j'ai pas posé le truc. Je crois que j'ai pas réussi à poser le bordel. Vas-y, j'ai posé un autre endroit. Ça va, toi, ça va, tranquille. Tranquille, tranquille. Bah. J'ai loupé un truc, j'arrive pas à poser la caillou. La caillou là. Poser au milieu de chaque piège et réaliser une centaine de kills avec chacun des pièges. Ah bah si, c'est bon, ok, il y a juste un temps de latence en fait. Je pense que c'est le temps que ça apparaisse. J'en sais, en mode c'est posé, mais c'est le temps que ça se texturise. Tu préfères. Là par contre c'est la fin de manche, hein, j'ai pas utilisé le piège pour ça. Mais je vais faire un truc, vas-y c'est 1x2, je m'en fiche. On va aller d'un autre easter egg, la map. Hop là. Attends, est-ce qu'il me reste des charges ou pas? Ouais, deux. Là, c'est quoi? Min-max, vas-y, je vais le garder. Pour l'instant, mais en tout cas, voilà. Là, j'aurais pu tirer dessus si je voulais. Donc, gros, petit secret fait en plus. Voilà, tu sais, c'est les fameux trucs que tu récupères. Et les bonus. Je peux aussi dans la liste. Ah, bonus gratuit. Hop là. Tac. Impec. Le bonus free. The free bonus. Bah let's go, là on va packer, puis on activera le piège, puis on packera, puis on activera le piège. Putain, une centaine de kills, c'est long quand même qu'on réfléchit. Voilà, bon, déjà on a commencé à faire un peu de kill. J'ai tenté un truc. Non, j'ai pas tenté, je voulais tenter d'y aller avec le shield. Mais j'ai trop peur que je sais pas ça fasse de la merde et que je meure. Je sais pas si en fait le shield il tank les dégâts de piège. Oh, j'aurais dû mettre anti-piège. Vas-y, je tente au pire, Nick. Ah non. Heureusement, j'ai tenté à la fin. Piu, piu, piu.
Mais ça en plus j'ai accélération pour que les pièges se rechargent plus vite. Et ça c'est cool. Nicolas il me fume derrière mais il est incroyable. Piou piou piou. Oh c'est... putain il est déjà chargé. C'est incroyable l'accélération. J'espère que les monstres aiment l'acide. Parce qu'on en manque. Oh un Carpenter. Ah. Ah il fait mal le piège hein. Attends, il descend directement à 128 HP. Vas-y à plus Alpha, merci d'être passé. La bise. Pam 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 pam. Fin de manche ça. Petite fin de manche. Je sais pas si j'aurais fait assez de kills du coup. On va voir ça, j'espère. Ça commence à être complexe, hein. La bise, Wami. Bonne soirée à toi. Non, c'est toujours pas bon. Toujours pas assez de kills, waouh. Ah gars. Ah gars. Je sais pas où est le chien qui a spawn là. Ah bah il est là-bas je crois. Ah là tout dégage. Allez. On va s'activer ça. Ah merde il restait un zombie. Voilà. Oh, tout tout de merde. Trop chiant les chiens en même temps que les zombies. Je déteste ça. Oh, attends, je vais pas me faire chier. On fait des pop, comme ça au moins tu vois, ça tue pas les zombies. C'est toujours pas bon la pierre. Ah ouais, non mais le délire. Bon en fait, faut faire 100 manches par piège, tu sais. Du chaud. Hop. Pour vraiment où j'ai amélioré l'auger. Vraiment cool cette arme. Ah c'est bon. Ok ça change de forme t'as vu. Lourd. Ouais, Zuki. Bon, il va le BG. Ah, c'est bon, ça a été posé. En fait, tu vois, tout à l'heure, ça a été posé, c'est juste pas texturé. Hey, les monstres. Peut-être qu'en courant assez vite, vous glisserez entre les pales. Fin de manche, hein. J'ai l'impression. Totalement. Combien paquer les zombies, bah pas de conseil à avoir en fait. Vraiment, pour savoir faire tourner les zombies ou faire d'autres manches, y a pas de conseil à prendre ou à avoir. Faut juste entraîner. C'est juste ça. Vraiment juste ça. Y a pas de remède miracle, de conseil, de tutoriel. Y'a rien à savoir. Juste tu t'entraînes. Je comprends comment ça marche et puis voilà. Quoi mais il sonne? Sérieusement là? Oh mais l'auger elle est trop puissante. Dégagez, voilà. Je préfère les faire des pop et pas les tuer comme ça. Si après le problème c'est que si je les tue, tu vois ça me nique des zombies pendant la manche. Alors que là au moins c'est juste du dépop. C'est plus tranquille. T'as des conseils pour lancer. Des conseils pour comment jouer en zombie. Genre comment on lance le jeu. C'est ça, exactement ça.
Ah, c'est aussi ce que je t'entends. Ah putain, dernière volonté, il s'est activé tellement vite, c'est un délire. Ah là, laissez-moi passer, Zubi. Ah, je vais down. Ah non, même pas. Putain. Oh, je sais pas comment c'est... Putain, mais j'aurais pu venir faire des tours ici, je suis con. Je suis trop con, en fait. C'est ça, le truc. Ça vaut le coup. Et la balade. Allez, venez là, les zomblards. De toute façon, là, on est en train de faire le pire piège. J'aurais dû commencer par celui-là. Je suis trop con. Putain, c'est impossible de jouer sur console, c'est une horreur. Un délire. Vous avez déjà vu la face d'un démon dans une turbine? Moi non plus. Alors, hop. Ce piège est trop satisfaisant, je trouve, à voir. Bon, alors c'est moi qui suis bizarre. À fin de manche? Y'a plus de spawn. Ah ouais, fin de manche, exact. Pas B4 PC, bah si, j'ai la flemme de remonter le niveau 1000. Je peux même pas voir si la caillasse elle est terminée, c'est un délire. Ouais, je bougeais vous. Bon, je pense pas qu'elle soit finie hein, du coup. Attends, j'ai redésactivé. Non, j'ai laissé la musique, je peux être passant devant. Ah, la musique. En gros, le truc c'était trop cheaté avant. Quand heureux que ça a été corrigé. Et que c'est moins de cheat. Au contraire, il est toujours aussi. Il est toujours aussi bon. Il est pas du tout pourri. Voilà. Il me spawn à la gueule lui. Un délire. Viens là, Brubru. Ah, du coup, je dois tuer des zombies, c'est chiant. Et en plus, ce sera pas le seul qui va spawn de Brutus, il y en aura plein d'autres, ça va être chiant. Une manche un petit peu niquée. Ah, tu as encore un Brutus. Ah, il me spawn à la gueule, hein. Oh, ce délire, wesh. Brutus, c'est limite, c'est il sait où tu spawns. Hop là. Peut-être elle me recherchait du shield là quand même. Merci pour le follow. Izial. C'est pas qu'on prononce ce pseudo, merci beaucoup en tout cas. Putain, n'a fait qu'une pierre sur trois. Oh là. Merci chameau 022 pour le follow. Ta-na-na-na-na-na-na. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être good. C'est pas du tout la fin de manche, my bad. Et je crois que pour passer en dessous, je suis obligé de m'allonger, sinon je meurs. Il faut s'organiser. Que ceux qui veulent mourir en premier lèvent la main et disent... Putain, mais les répits de Nicolas, ils sont incroyables. Je suis content de l'avoir mis aussi haut dans mon classement. Avoir la caillasse là, ça me saoule. Un délire. Elle est où? Putain, j'ai le seum.
Ah non, c'est toujours pas bon. Putain, c'est incroyable, c'est oh, tellement de kilos pièges. T'es le meilleur des flingues. T'es le silex. Vas-y, j'ai repaqué là-bas tranquille. Hein. Merci Minax pour le follow, bienvenue à toi. Je t'aime tellement. Voilà. Tac. Il est passé une 200, ben ouais! Incroyable! Un piège, c'est quoi la suite? Un troisième piège. No fake, hein. Tac. C'est bon, ok. Vas-y, j'irai le chercher après. Là, tant que j'ai des zombies encore à cette manche, on va aller faire celui du spawn. Oh, je veux retourner dans les... T'inquiète, je t'envoie tout ce qu'il faut vers minuit, je pense, Agony. Je pense que vers minuit, j'aurai terminé. Tac. Nicolas, il est là. Paraît à tirer. Oh, attends, je vais aller chercher le truc vite fait, là. On envoie le bout, là, de la cuitochette. Let's go. Hop, et on se casse. Ouh, elle déjà mange 25. Comment ça a sué. Après, elle Brutus au corps à corps, gros. Oh, on va rigoler, en vrai, à ce moment-là. Cherche un shield avant de retourner au spawn. Hop là. Vas-y, go au spawn. Merci, t'as les RFPS pour le follow. Bienvenue à toi. Salut toi, BG. Vas-y, bah alors on va packer les zombies, puis on va activer le piège du coup. Je sais plus comment il marche ce piège, genre c'est quoi la strat, c'est de se mettre là, je crois. Je sais plus. Un délire. Ça fait trop longtemps. Putain, mon premier manche sans BO4, hein, c'était avec ce piège là. On avait sué du cul. Attention, camarade. Je voudrais pas vous attraper. Ah non, c'était pas comme ça. Bah attends, ça marchait comment? Ah non, fallait se mettre un peu plus sur la droite, c'est vrai. Oh, je crois que c'est comme ça, genre c'est pas tout à fait dans le coin. Ah mais je vais même pas poser la pierre en plus. Bah heureusement que je peux pas le placer de toute façon. Vu comme je galérais déjà à comprendre comment il marchait ce piège. C'est ça, fallait pas se mettre contre ça en fait, fallait se mettre plus proche du piège parce qu'il attire les zombies. Bah les souvenirs que ça fait, ça c'est incroyable. Bah attends, je suis con. Vas-y, je vais récupérer ça vite fait. Ok, c'est bon, on a posé la pierre. Je sais pas, blue screen, le nombre de blue screen mec que j'avais pris en vrai. C'était un délire. Je sais plus combien de blue screen j'avais eu avant de faire le manche sans, mais on l'avait tryhard ce manche sans. Sans qu'il ait failli mal. Incroyable. En plus, regarde, t'as un vieux cadavre là qui tourne en rond. C'est un délire ce piège. Y'a ça, t'as un vieux cadavre là. Insane. J'irais bien améliorer le... Oh putain, pack up and shield là, nickel. Logger. L'odeur du souffle des cadavres me pique le nez. Hop. Ça fait du bien.
voir Richtofen flipper pour une fois. Hop. On m'incendiaire, vas-y. Tant que c'est pas putréfaction, ça me va. Bon, je vais reprendre du shield là, parce que le shield il est un peu dans la merde. Hop, on va chercher du shield et on se rebarre. C'est des crashs sur Cold War. Mec, c'est Treyarch qui fait le jeu. Faut s'y attendre, en vrai. C'est triste à dire, mais faut s'y attendre. Malheureusement. Bon, ouais, laissez-moi passer là. Je vais pas me faire chier. J'ai pas utilisé toutes mes balles de Ruger pour réussir à passer à travers vous. Donc, tuer. Hop, ça dégage. Jusque-là, j'ai pas encore vomi. Jusque-là. Je suis un soldat russe. J'ai l'habitude de l'enfer. J'ai un estomac d'acier. Hop. Oula. Voilà. Voilà. C'est un peu beaucoup. C'est beaucoup là, non? J'ai une idée. Et si on laissait les lames faire tout le boulot? Ah, je rends pas là. Pourquoi ils sont pas attirés? Je rends pas quand ils marchent le piège à certains moments. Des fois il attire les zombies, des fois non. Je m'en souviens plus, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à ce piège. C'est un plaisir d'avoir acheté du shield pour au final avoir un charpentier. J'ai le démon. C'est pas comme ça qu'on activait ? Réveille-toi, piège tournoyant. C'est l'heure de manger. Ah, je prends des dégâts de ma blender. C'est vrai que la magmagate elle fait un peu de dégâts. Ah, c'est bon, j'ai pas vu, on a la caillasse. C'est vrai que ce piège il fait beaucoup de kills. On a tous les cailloux! Il en manque un à avoir. Hop. Non, pas passer par là, c'est fermé. Non, c'est pas juste. Ah, j'ai plus de thunes, j'avais pas vu. Fuck. Ah, c'est la crise, hein. Y'a des dons là. Attends, je vais voir ce qu'il faut faire après, parce que j'ai un doute, je crois qu'il faut... Une pépite d'or se trouvant dans... Ah, récupéré, ça. Il faut partant de la cafétéria. Vous êtes par terre derrière. C'est ça. Oh merde, il y a des Brutus. Il manquait plus que ça. Dans le cas où... Si c'est la merde en sortant. Bonne nuit Poupouille. Bienvenue à toi. Enfin bonne nuit à toi je veux dire. Et à la prochaine. C'est la fatigue. Ok c'est bon je l'ai eu. Ok. Ouah double Brutus mec. Incroyable. Je sais qu'on a besoin de Brutus là, mais c'est trop risqué d'en avoir autant dans ce coup comme ça. Attends. Perd la magmaga. Ramassez-la. Ok. Donc là, la spawn par terre, faut que j'aille la ramasser. Putain, mange 28, c'est galère de faire ça. C'est horreur quoi, cette hystérique de mort. Ah, elle est là. Ok, merci Supral. Maintenez alors votre. Ok.
Voilà. Il y a du monde ici. Let's go. Voilà. Je vais pas faire plus de dégâts au Brutus. Enfin, je vais essayer de pas faire de dégâts au Brutus. Au Brutus, mais pas aux zombies. Vous pouvez encore l'améliorer. Pour ce faire, maintenez à nouveau votre touche d'action sur le bassin, le bras du squelette. Okay. Hop là, un pec. T'as encore trop de zombies, c'est un délire. Ça n'en finit jamais. Ok, j'ai récupéré le couteau normal. Israël, vous verrez qu'un couteau... Ah, c'est ça. Alors là, les gars, c'est le moment de l'enfer. Voilà. Là, faut que je tue un zombie au couteau ici. Un Brutus, je veux dire. Voilà, 50 HP déjà. Vas-y, au pire, je passe en dernière volonté et j'enchaîne les cuts. Genre comme ça. C'est bon! Pas vraiment, mais d'habitude. Ok. Sera accroché sur un panneau. Vous devrez alors ramener un Brutus au niveau du couteau et vous devrez le tuer au cut. Le bout de tissu accroché s'en ira lorsque le Brutus sera mort. Ah, moi j'ai plus le bout de tissu. Est-ce que le couteau? Maintenant, vous avez juste à maintenir votre touche d'action dans le... Ouais. C'est ça. Non, je sais pas si c'est le dernier, lui. Je crois que si, hein. On va laisser en vie, du coup. Merci, marche des zombies et tout. Putain, j'ai bien fait de les mettre, hein. Ouais, en dehors du gaming. Nope. C'est pas le gaming, le streaming. Différent. Et là... On appelle ça un cure-dent du goulag. Ouh. Oh. On a fait l'un des secrets les plus chiants du mode zombie, les gars. Waouh. Oh putain. Ouais, je préside. On n'a pas fini encore, hein. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a fait le pack à punch, crafter le shield, améliorer le shield, la bande de garde gratuite, craft l'acide gat, faire la magma gat. La cuir en or, l'infini cuitochette, Tomahawk, Tomahawk amélioré, les bonus gratuits, le screamer, le singe gratuit. Ah, 666 et 872, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Oh, sur quoi la prochaine vidéo? À l'heure où c'est indiqué dans le planning, frérot. Je suis un soldat russe. J'ai l'habitude de l'enfer. Hop. Est-ce qu'il me reste des charges? Il me reste deux, c'est parfait. Tout petit ce qu'il faut. Ça me plaît.
Voilà, en gros, ce secret me permet d'avoir la cuitochette, qui me permet de one-shot, je crois, jusqu'à la manche... C'est combien? 33? Ah non, c'est infini, ça faisait la tête, je sais pas. Ok, one-shot tout le temps. Le portrait de Richthofen derrière le cadre? Là, ça, je suis pas au courant de ça. Mais le secret principal de quoi, le secret principal? 60, je crois, ouais, c'est un délire comme ça. Merci à l'RN. Oh, pour le follow, bienvenue à toi. Et viens là. C'est bon, ça me plaît ça. Ah, il spawn pas ici, je pensais qu'il spawnait vraiment devant le cadre. Mais non. Mais non, Quantox, 100 bits. Merci beaucoup frérot, ça fait plaisir. Parfait, min max. Merci pour tes tes 100 bits, incroyable. De nulle part et maintenant tu te plantes dans la fumée. On n'a rien à craindre. Sang de zombies. Génial. Let's go. Encore de la boue marronasse. Tout ce que Nikolai préfère. Hier tu verras le portrait. Ah ouais Frizzy, bah vas-y attends je vais les check. Au fond de Michigan Avenue, à gauche du piège, ok. Vas-y je vais aller check ça tant que je suis en sang de zombie. Et si jamais j'y rajouterai dans les petits secrets. Là ? Ah, exact ! C'est Richthofen zombie, on dirait. Non, peut-être pas, non, c'est juste Richthofen normal en fait. Oh, bonjour messieurs, comment ça va ? Putain, Isaac, je connaissais pas ce petit secret. On a pas un petit secret bonus. Hein. Hop. Ok. Putain, y'a de ça. Y'a de ça, one shot, one shot, one shot, ta part. Ouais, c'est pas si fou que ça la magma gat, c'est vraiment claqué comme arme. Mais je fais un peu de points après pour utiliser le piège. Là j'aimerais faire quelques manches à la magma gat pour bah, faire du point comme je disais. Tac, donc je vais actualiser le point d'initiation de challenge là vite fait. Le 872, le 666. Hop là. Oh bah. Oh bah gars. Soyons intimement le 30. Nickel ça. Incroyable. Et du coup je crois qu'on a fait tous nos contrats du jour. Bon sauf le... Ouais sauf ça. Et Quantox. Merci Quantox pour le second terrain à Pontiozel. Merci beaucoup frérot. Mais Quantox il a acheté son deuxième mode sub. Let's go les gars, Davis sub goal. Plus que 2, plus que 1 pardon. On a 49 sur 50. Eh c'est September, c'est le moment de lâcher vos subs là. Incroyable, merci beaucoup frérot pour mon petit sub gift.
et ton resub du coup du deuxième mois. Il y a un Quintax. Moi t'y pris les... Ouais, Goku, ouais. Ouais, cette année, c'est vraiment... C'est... Voilà, c'est... C'est rien, c'est la rue. Vas-y, même sur le marassin, de toute façon, je one-shot au couteau à ce manche-là. Incroyable. C'est pas vous qui prenez mon sang, c'est moi qui prends le vôtre. C'est moi qui prends le vôtre. Oh yes, une braderie, les gars. Let's go. Trop bon. Hop. Ça commence à être tendu un peu. Faut qu'on tienne jusqu'à la 50, ce serait bien. T'as prêché de fail. Alors qu'on a peut-être tout réussi, on fait juste la 50. J'aurais trop le démon. Qu'est-ce qu'il est vraiment éclaté la Magma Gat. Il est 31. Vas-y la bise Luigi, bonne soirée. Là, du coup, est-ce qu'il y a des secrets là que vous avez appris, vous avez pris connaissance là? Des trucs, je sais pas, que vous connaissez pas sur, sur Blood et que maintenant vous connaissez justement. Oh oui, Minax, nickel ça. Ça, ça me plaît. Impec. Hop là. Je pense on a pour 30 minutes, hein, là, 50 à peine. On est déjà 31 en vrai. Putain, tu dis, on nous a fallu 30 manches pour tout faire. Putain, 30 manches pour tout faire sur une map, c'est beaucoup. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Ça se passe pareil, regarde. Hop, manche 31, one shot au cut. Voilà. Un délire. Du coup, on va jouer un peu à la blunder, puis dès que ce sera trop compliqué, on ira faire la strat piège, je pense. C'est pour ça que j'ai mis accélération et tout blabla. Merci Neil le boss pour le follow. Bienvenue. Tiens, je comprends ce que je joue pas au SP là en attendant. Regarde, ça me fait des économies de balles en vrai. C'est plus efficace. Hein. Vas-y, bonne nuit, Mason. Hop. Eh les gens, il manque un sub là pour le daily sub goal. On a 49 sur 50. Oh bah. Let's go là, un prime, n'importe. Un sub, un seul, tu sais. N'hésitez pas les gars, lâchez-vous. Ça, je gratuit, je suis pas gratuit. Si à partir de maintenant t'es gratuit. Incroyable.
Vas-y, j'ai tiré 2 balles et ensuite je mettrai le spé. Mon arme miracle, chérie. Hop. Je serais prêt à parcourir des centaines de dimensions pourries avec une centaine de foutures histoires. Un petit Call of Tirolator, pour moi, c'est un des pires Call of. La jouabilité et tout. Plein de trucs qui vont pas sur ce code. Assume-le-toi. Ah, les fameux brubru. C'est parti. Allez, ça dégage. Là, c'est bien, je pense qu'on aura assez de points pour faire du piège. Je pense, hein. Je suis pas sûr. Mais je crois. Oh bah. Oh bah, nickel. Et voilà, merci beaucoup. Tiens, sombre, 93, 600. À quand de l'extinction? Oh bah pas un petit moment là, avec les retours zombies et tout. Mais en plus de ça, on a Monkey qui a pris un sub, Azuki. Merci pour les subs. Let's go, délire, sub go latin. Un délire. Vas-y, je le recommande pas en vrai. 50, c'était bien comme goal. Après, c'est que du bonus. Hop. Oh bah en plus, x2, let's go. Let's go. Et mange des chiens. Un jour, Maxence. Pour le gaze. Pour le gaze. Putain, j'aime pas les zombies, c'est un délire. Enfin, les chiens, pardon. Oh, chien. Vas-y, après, si j'ai la motivation, on ira peut-être faire un petit secret sur Black Ops 3. Genre, je sais pas. Peut-être Zetsubou. Ouais, Jeans d'air. Un petit, j'ai envie de faire un secret BO3. J'ai surtout envie de jouer sur PC là. Je sais pas, je vous laisse me dire dans le chat ce que vous préfériez là. Secret d'air, secret d'Origins, secret de n'importe. Non, Maxence, totalement. Bon, la nostalgie, j'en parle toujours. ZNS serait lourd. Un petit ZNS, ouais. Sondage, non, j'ai juste envie de voir voilà, ce qui est dans le chat. Hein. J'ai pas envie de mettre un sondage pour ça. Secret Black Ops 3. On finit en beauté quoi après ça. Après le 100% de blood, bah du coup pour l'instant on réussit. Il me reste 15 manches à tenir. Voilà. Pourquoi pas. Ouais putain, secret de Kino. Mais ouais. Vrai easter egg dans la campagne. Ouais, un easter egg de ouf. Un pistolet laser sur une mission. Ça c'est du vrai easter egg mon pote. Alors ça mec, incroyable. Franchement c'était un jeu extraordinaire. On avait un régal en campagne. C'est le meilleur Call of. Les autres Call of Multi ont 17 fois plus d'easter eggs que juste avoir avancé leur part au Ghost. Dans les Multi, les campagnes. Incroyable. Putain, les gars, incroyable. 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 Mais oui, incroyable en plus. Putain, on sait plus parler français ici. Quelle indignité. Vraiment. Quelle indignité. Abdel, t'as déjà répondu dans le chat. Ah, j'ai pas eu la boîte à 10. Fuck.
Fuck. Exactement, Space. C'est exactement ça. Pire, le mode zombie en zombie. Pas de secret. Bah, les maps, c'est les premières, donc c'est pas ouf. Des zombies aspirateurs, limite injouable, tellement c'est juste chiant. La maniabilité, horrible. Je reprends juste la totalité de ce que t'as dit, Black. C'est juste la nostalgie. Ce jeu est éclaté. La campagne, beaucoup trop courte. Pas intéressante, c'est du vu et revu. Comme tous les jeux de guerre à l'époque, enfin de ces années-là. C'est dans le sombre. En zombie, la maniabilité était horrible. Les zombies t'aspiraient. C'était une horreur. Le multi, on n'en parle pas avec les chars et tout, voilà quoi. Le jeu était vide. Mais bon, il y a la nostalgie quoi. Mais forcément, c'est un bon jeu, tu sais. Ah bah W Maxence, très largement. Secret révélation après. Ouais. Ah je sais pas, j'hésite, je verrai en fonction de l'heure où on finit, je verrai en fonction de mon état également. Camo diamant sur les fusils tactiques, bah GG le sombre. Putain, ça c'est un homme motivé ça. Ça c'est incroyable. Ça c'est beau. Ah, attends, on a un toutou qui nous suit là, j'ai l'impression. Mais oui. Bonjour monsieur, au revoir monsieur. Si vous êtes trop près, reculez. Pam, 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 pam. Pas mal le secret, ouais, le secret, il est gentil le secret, Maxence. Il est gentil. Ouah, t'as Izuk, t'as la foi. Ouah, sans double XP là. Bah, bon courage à toi. Mais le custom? Bah, Blacky, pourquoi est-ce qu'il joue jamais? Je déteste le custom de l'ordinateur aussi. C'est pour ça que j'en fais quasiment jamais, où je l'ai fait de temps en temps, voilà, avec Dexter. On y est retourné, et au bout d'un moment, avec Dexter, on s'est dit tous les deux: viens, on y retourne plus jamais en fait. Et on y est jamais retourné. Genre on a jamais refait. Je sais pas si on se souvient, une fois par mois, on retournait en custom sur l'oratoire. Et on en fait plus d'un seul coup, c'est bizarre. Comment ça nous a saoulé. La custom, la commande pardon, pour les objectifs pour l'accession challenge BG. Play ou PC BG? Bah PC, très largement. En gros c'est, tu compares une Clio 2 avec une Lamborghini. En effet, c'est vraiment la logique hein. C'est pas la même puissance, pas le même prix. PC 144 FPS, PS4, tu te peines le 50 quoi. Voilà. En fait, cette strat elle est limite plus rapide que la magma gage, j'ai l'impression, c'est un délire. Putain, ça rappelle des souvenirs. Les anciens étaient là, on entend tellement le son de cette map avec ce putain de piège, ces putains de blue screen qu'on enchaînait. Un délire. Un conseil pour le Koshka? Bon courage. Voilà. C'est le conseil que je pouvais te donner. J'ai une idée. Et si on laissait les lames... Il y aura une rediff pour la session rediff. Ah, pour savoir, on le verra dans 13 manches, hein, si on y arrive. Enfin, sachant qu'on a déjà perdu une down. Ça va être compliqué, je pense. Mais bon. On va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. On va faire en sorte. J'espère qu'on s'aime vraiment pour le Koshka. On va faire les défis normaux sur Classified et les défis de boss sur Voyage of Despair. Y'a vraiment pas de conseils à voir quoi. Franchement. Tu fais juste des kills quoi. C'est tout. Genre en fait, y'a zéro conseil là-dessus. Ah, j'ai un putain de chien, c'est pas ce que je me disais. Hop. Tac. Oh, comme il a volé lui. Oh le délire. Ça se pèse le van parce que c'est bizarre. Ça c'est bizarre. Oh la merde. Tac. Bon, plus de 12 manches.
On y croit de toute force, hein, tous ensemble, bien sûr, que tout se passera bien. On y arrivera. On ne pourra pas réitérer ce 100% challenge de Blood of the Dead un jour. Ça faut juste que j'arrive à bien paquer comme il faut. Hop là, let's go. Oh non! Ah, il a spawn là-bas en plus, enfoiré, il va me péter le piège. Petit enculé! Voilà. Tu dégages! Oh oui, le charpentier en plus pour le shield, incroyable. Impeccable. C'est vrai que la mort ascendante sur ce jeu elle pue la merde. Des fois genre je sais pas pourquoi ça one-shot pas vraiment. Oh là là. Nickel. Wouh. Bordel de merde. Bordel de merde. Ok, 39, plus que 11 manches à tenir, putain, 11 manches. Merci, Spidey115 pour le follow, bienvenue à toi. Ah, vas-y, fuck. Sors le spé, on va faire un peu de kilo spé tant qu'il est chargé. Hop là. Hop là. Eh ben GG le sombre. Car la satisfaction elle est incroyable. Putain de chien de merde. Prends-moi le camp fils de. Vous avez été employé mais je déteste les chiens en même temps que les zombies. C'est horrible je trouve. Hop. Impec. Je tenais pas en vrai que c'était rapide hein. Mais c'est normal Dark. Même sur Android, c'est ça, c'est pas Apple. Sur la version mobile, c'est 7€ parce qu'il y a certaines taxes et tout aux États-Unis. Ça a rien à voir avec Apple. C'est pour ça qu'il faut passer avec Internet. 4€ le sub au lieu de 5€ en ce moment, les gars. Faut se faire plaisir si vous voulez votre sub tier 1. C'est au moins avec le September. Vas-y, courage le sombre, pour demain, courage. Comme ils ont volé, c'est un plaisir. T'as manqué quoi? Bah, si tu viens seulement d'arriver, voilà, t'as loupé tous les secrets. Il me reste le dernier objectif, la 50, et ce sera good. Allez, plus que dimanche, les gars. Let's go. Y'a le secret ou pas? On fait pas le secret de la map hein. Pour la session challenge. J'ai jamais des secrets les mardis soirs. Réveille-toi, hop. Piège tournoyant. C'est l'heure de manger. Mais Space Donovan, tu fais bien. C'est ce qu'il faut faire. Bah bravo le veau. Bah bravo le VO. Hop là allez, on repack. Et c'est reparti. Je sais, t'es un zombie. C'est pas ta faute. Tous boucan me donne la migraine. Hop. Tac, on se replace. Et let's go. Je canadien, big up aux canadiens.
Oh, attends, y'a un toutou. Fous-moi le camp. Petit connard. Petit con. Tac. Ah. Fin de manche. Ah non, ça respawn. Fuck. Je laisse pas. Pim, pim, pim. Allez. Attention camarade, je voudrais pas vous attraper. Sauf peut-être Christophe, mais les monstres d'abord. J'en ai un. J'en ai un. J'en ai un. Ah ah, on avait parié d'MC. Tu me dois 3 cocktails molotov. Les répliques de Nicolas sont vraiment trop bien. Incroyable. Tac. Je vais essayer de le mettre là, voir ce que ça fait. Je sais pas si ça marche et tout. Ah non, parce qu'il y a ceux-là. Attends, je peux faire un peu de kill par contre. Pour récupérer comme du spé et tout. Let's go, pas du max, ok, c'est pas ça que je cherchais vraiment. Tu vois, j'ai pas de spé. Tu vois, j'aimerais bien un charpentier aussi. Faudrait que je fasse un peu de kill à direct à l'arme normale. Ouais, x2, super, ça m'intéresse pas. Justement, le temps d'obtenir, tu as les 4 bonus de la manche. Bah, fin de manche, hein, fuck. Bah, vas-y, on va aller chercher un shield, hein, tant pis. Tac. Allez, allons-y, let's go. Alors j'avoue, bien vu Ago. Tac. Mon arme miracle, c'est... Ta-dam. Allez. Plus que 8 manches à tenir, ça va le faire. On y croit tous. Si j'avais dit que la semaine prochaine on ferait Alpha Omega comme 100% challenge. Faire les 4 égal MK2, faire tous les trucs avec les codes de Rushmore. Oh. Screamer. Truc des mannequins et tout, ça va être un plaisir. Et après, il nous resterait Voyage of Despair à retenter. Classified, Enchanted Evil. Tag Dirt Open. Alpha Omega. Ouais, donc Tag, Alpha, Voyage, Classified ou. Le problème, c'est qu'Enchanted Evil, y'a presque rien à faire sur la map. Mais sinon, on se fait une soirée Classified plus Enchanted Evil, genre double 100% challenge. Vu que les deux, bah, elles sont pas très riches comme map. On va aller faire les deux d'un coup. Ça pourrait être cool les deux d'un coup, ouais.
On verra. De toute façon, vous verrez sur le planning de la semaine prochaine hein, ce qu'on fera lors du prochain 100% challenge. Merde, pourquoi j'ai pas activé le piège là-bas? Je suis con en fait. Ça aurait été plus rapide. Là, pour la session challenge. Et tu verras du coup. Yo WMX, comment ça va? Eh ben mange spécial en plus, histoire que ça aille encore plus vite. Vas-y, let's go. J'accepte. Je suis chaud. Double manche 50 du coup, ouais, c'est vrai, double manche 50. Après, tu vois, bon, enchaîne tes villes, le 50, ça va. Ils mettent même des clébards en prison. La Sifa est un peu plus chiant. J'en ai eu un poilu. J'en ai un poilu. Impec. On s'en passe directement à la 44. Ça tranquille WMX. Tranquille, tranquille, écoute. Merci. J'ai des tas de bouches à nourrir. Oh, le bruit infernal quand même de ce truc, c'est un délire. Elles sont passées, monsieur. Allez, dégage. Ah. C'est plus rapide, on donne un coup de couteau quand même. Ça va rembaisser, ouais, tu m'étonnes. Moi, pour l'instant, ça, j'ai pas besoin de changer. Impec. Hop. Hop là! Tac! Et on enchaîne. Oh bah encore un putain! Deux pleines puissances de suite. Le délire. Hop. Il est au bout. Putain, il me spawn sur la gueule cet enfoiré. Oh le délire! Oh, le double bonus là, insane, the folly. Ah, encore un putain de Brutus. Oh bah. Ah super. Pas de manche, je crois. On arrive à la 45. Munitions max. Encore des munitions. Il y a l'air plein de poteaux. Vraiment lourd, la hauteur. J'aime pas meilleur au max. Hein. Il faut pas beaucoup de balles pour un zombie pour une manche à 45. Franchement. Franchement. Ah merde, putain, je suis dans le piège. Bon, c'est pas grave, j'ai les dernières volontés. S'il me reste encore une réa, c'est tranquille. Je cut avec le bouclier. Et là, est-ce qu'il me reste des charges? Même pas. Faudrait que je reprenne. En vrai de vrai. Fin de la manche, quand il restera pas beaucoup de zombies, j'ai tué au shield pour récupérer les... The charge, you know. Ah, mais attends, j'ai mon spé chargé! Qu'est-ce que je branle moi? Putain, je vais faire des kilos spé pour que ça aille plus vite! J'ai pas vu qu'il était rechargé! Nick the bee! Vas-y, j'ai de la haine! J'étais en train de faire du piège alors que je pouvais juste faire des dashs comme ça! Réveille-toi!
toi, piège tournoyant. C'est l'heure de manger. Ta-dam. Ziz, 6, je te laisse check le planning pendant la session planning. Magmagat, c'est quel plaisir, elle est éclatée, c'est incroyable. C'est bien pour les Brutus, mais à part ça, c'est vraiment, c'est pas une arme spéciale, hein, c'est une arme quoi. Franchement. Mais ce n'est pas qu'elle était aussi naze que ça. C'est toujours mieux que l'acide gâte quand même. Hein. L'acide gâte, les autodégâts, merci. Voilà, c'est fait aussi, aussi des autodégâts, mais moins vénère quoi. Mais j'ai oublié qu'elle était nulle à ce point quoi, c'est incroyable. Ah, fin de manche. Ah. Let's go, 46. Requin à tout. Voilà. Hop, allez, ça repart. Plus que 4 manches à tenir, les gars. 4 manches. Ça peut le faire. Comme ça veut pas le faire. Quelqu'un en a offert un. Bah ouais, j'ai vu ça. Non, c'était la folie ce soir niveau sub. Merci encore les gars. Je voulais dire les gars et les gens, ça fait les gants. Vas-y maintenant, vous êtes les gants. C'est quoi les gants? Ah, j'ai un chien, je crois, dans le tas, ouais. Ouais, full camp, petit con. Les gants. Non, la braderie. Yes, les gars, c'est bon. J'ai une braderie, c'est gagné, ça. Putain, Locus, c'est bon, les gars, on fait le manche 50. Assuré, là. Oh putain. Ah. Mais oui. ...47, c'est bon ça. Un mal peut suivre, ça veut dire ça, incroyable. Franchement, c'est pas si mal, j'avoue. Mais quoi, c'est pas mal. Plus que 3 manches à tenir pour réussir ce 100% challenge là. Si vous êtes trop près, reculez. Face flapex. Bam. 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 Y'a quoi la rediff de ce live là? Oh là! Là y'a des rediffs jusqu'en novembre. On ne sera pas avant décembre, voire 2021 cette rediff là. No fake. Attention camarade, je voudrais pas vous attraper. Sauf peut-être Christophe, mais les monstres d'abord.
Ah bah lourd qu'elle atteste, tiens. Bah tiens, tiens, tiens. Quelle indignité, c'est quoi ce comportement là? Merde. Oh non, bah je vais mourir, j'avais plus de... J'avais pas vu que j'avais plus mon SP, bon c'est pas grave. Vas-y, je continue sans les atouts. Ah bah non, je suis obligé d'accélération. Oh. J'ai la flemme d'aller chercher les atouts. Mais vas-y, on fait même sans accélération la flemme. J'ai trop la flemme, c'est trop loin. Gros, faut marcher. Je sais pas si tu te rends compte, il faut bouger quoi. C'est chiant. J'ai pas envie. Enfin, je sais pas ce qu'il faisait le zombie là. Genre, il était limite AFK. Genre, il est arrivé, il était. T'as le bug des zombies qui bougent pas. T'as intérêt à mourir. Bah, si on meurt, on refait ça la semaine prochaine, hein, c'est pas grave de toute façon. Faut pas patienter, on a jusqu'à Cold War. Faut trouver des trucs à faire jusqu'à Call of Duty Cold War. Donc, crois-moi. S'il faut, on le fait 3 semaines de suite, hein. Ok, d'accord. J'aurais dû économiser. On va la rediff, mais de toute façon, la rediff, hein, je vous l'ai dit, ce sera vraiment pas avant 2021. Hein. Genre vraiment. Parce que du coup, bah logique, quand il y aura le 13 novembre, bah qu'est-ce qu'il y aura comme rediffusion? Les rediffusions de Call of Duty Cold War? Parce que là, en gros, il y a des rediffs jusqu'à la sortie de Call of Duty Cold War. Donc vraiment, cette rediff-là, vous allez le verrez en 2021. Genre vraiment. La dernière, je crois que c'est le 10 novembre, je crois. 9? Un truc comme ça, la dernière rediff que je sors. Donc ça va être vraiment, ouais, janvier, début janvier. Ou fin décembre, tu vois. Je pense, à peu près. Putain, si la magmagate, elle était pas éclatée à la mort aussi. La monster, mais elle est pourrie. De toute façon, vraiment, mais la blunder ou quoi, c'est vraiment des armes éclatées, c'est insane. Donc zéro dégâts, zéro utilité. C'est bien pour les Brutus, et voilà. Fin de l'histoire. Yendri, c'est pas de ma faute, ça le fout, va. Ça le fout. C'est la tête qui tourne, il spawn où l'autre enflure là? Yes, bah je crois que je l'ai mangé. Et il est plus là. Ah, c'est bon, il est juste derrière. Ah, pec. Oh bah. Tac. Et en plus ça. Faudrait mourir un jour, monsieur le Brutus. Voilà. Non, pilote. Je suis pilote. Ben fait de moi à l'avance, pas du tout le planning. Planning je le fais le dimanche pour le lundi. En gros. Même des fois le lundi matin pour le lundi midi. Il a cru qu'il allait casser le piège, juste enfoiré. Non, mais il a cru quoi. Oh, c'est pris pour qui le grand fou? La mort instant vraiment sur BO4 elle est pourrie, c'est insane hein. C'est une semi-mort instantanée. Mort instantanée mais pas vraiment. Ah, on a plus de mort instant. Et hop là. Il y avait un Brutus, il y en a plus. Ah, c'est la fin, je crois. Hein. Sauf si je fais ça. Et ouais. Ah, il est bugué, hein. Il y a un zombie, il est bugué. Ah non, c'est bon. Il y a un zombie qui était AFK là-dessus. J'ai l'impression qu'ici, il y a une sorte de barrière. Je sais pas comment dire. Je sais pas si t'as vu. Genre, il y a des zombies, ils se bloquent, ils arrivent. T'sais, ils sont limite AFK. Ça a fait le cas. Enfin, le truc encore sur un zombie là. Je sais pas comment dire. Pas un zombie AFK, mais un zombie genre qui se. Pas qui se glitch, j'ai pas le terme. Genre, ça fait deux fois tout à l'heure celui qui nous a coincé ici. Et là, celui-là qui était bloqué aussi. Et je sais pas comment dire, genre vraiment il était AFK. Je sais pas comment dire. J'ai pas le terme. J'aime pas trouver le terme, putain. Ça me saoule. Ouais, il était glitch quoi, il était.
Ouais, un bug AFK. Je sais rien. Ouais, c'est ça en fait, les UFK veulent faire des boîtes aussi. Ah, Tyranny qui s'en va, j'ai pas vu si c'est le cas. Bisous, Tyrannosaure. Le zombie, c'est ça, il comprend plus ce qu'il faut faire. Attends, je dois tuer le mec ou je dois faire des boîtes là? J'y comprends pas. Quel est le délire? Quel est le bail? Quel est le plan? Boum. Oh bah. Je serais prêt à parcourir des centaines de dimensions pourries avec une centaine de fous. J'ai la peine d'aller chercher un shield, vraiment, ça me fait chier. Alors que je me dis, je pourrais peut-être chatter un charpentier, quoi, j'aimerais bien. Flap, je viens de répondre à la question. Nous les chômeurs, c'est ça, voilà. C'est une comique chômeur. Ça, c'est bien. Incroyable. Ouais, c'est pas... Fais chier, putain, je vais vraiment aller chercher un shield au final. Ah bah fin de partie. Bon bah c'est pas grave, on retentera la prochaine fois. J'avais trop la flemme, vraiment je préférais mourir qu'aller chercher un shield. Bon déjà on a réussi à faire tous les secrets, c'est trop cool. On va pouvoir aller faire un gros dodo. Ah ça m'a... Eh la cuitochette elle m'a tué. Genre psychologiquement. Et j'ai encore lu le truc du fou, je pouvais pas sortir le spé. C'est trop chiant. J'ai mal au dos par contre. J'ai trop envie d'économiser pour une... Pour la chaise Logitech et tout, pour l'ergo. Qui a passé toute la journée. Je dors pas, j'ai eu la rentrée cet après-midi. Justement, c'est-à-dire que si t'as eu la rentrée, c'est-à-dire que les cours reprennent, c'est-à-dire qu'il faut que tu dormes. Attends. Mais de toute façon, à cause, c'était sûr, hein, j'avais presque plus de rien, j'avais le spé qui se sortait plus, j'avais plus de shield et je voulais pas aller en chercher parce que je m'en battais littéralement les couilles, c'est incroyable. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est ça. Là, c'est ça. Après, je m'en fous de ce que je veux, moi, c'est le talisman qui me manque. Regarde, à cause d'Akrozatu x3, je m'en branle les couilles. Je m'en fous d'accro. Putain, mais je veux pas accro de merde. Je l'ai toujours pas, c'est pas vrai. Garde ça. J'ai tous les talismans, tous. Il en manque un. Je nique tout ce que j'ai juste pour ce talisman. Juste pour ça. Même, tu vois, je pourrais faire genre les promos pour avoir des élixirs en plus. Je m'en fous. Moi, je prends que les trucs à 75 ou à 100 pour les putains de talismans. Je l'ai toujours pas, ça me fatigue. C'est un délire. Putain. C'est incroyable. Et je vais jamais l'avoir. C'est fou. Sauf si à Go sur PC, voilà, tu m'aides, je sais pas, par exemple, à avoir quelques petits, tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà. Non, faut vraiment que je fasse un bilan de mes stats à Go pour s'en occuper. Surtout comme du coup, là, j'aurai le setup stream. Je pourrais passer en full PC sur BO4 et arrêter d'y jouer sur console. C'est très plaisir. Alors par contre, moi, je vais faire des trucs, c'est je vais mettre changer les contrats parce qu'il y a du coup les 200k avec des mitraillettes. Ouais, ouais, les mitraillettes, c'est bien les mitraillettes en vrai. En vrai. Je pense. Pourquoi j'ai une classe genre la classe de base? Pourquoi il y a gardien? Il se passe quoi là? Ah, terrible, c'est la console malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Monsieur Alpha, du coup, je la mets, une manche près, je la mets, voilà. De toute façon, tu le vois dans la. Regarde, dans la commande. Tac, je te mets la commande. Je te laisse check ce qu'il y a juste après. Enfin, juste avant, en gros, entre Richthofen et entre Bonus 50. Voilà.
Oh, putain, ça faisait trop bizarre de refaire cette strat. J'ai vraiment l'impression de retourner au truc de base. Hein. Tac. Tac, on va passer sur Black Ops 3 en vrai. Je pense, tac, mettre à jour les infos, histoire d'aller sur un petit secret BO3 avant de finir en beauté. Avant de finir, mais du coup... Blapix TV, on va se laisser ici, du coup on aura fait tous les secrets secondaires de Blood of the Dead. J'espère que vous aurez kiffé, du coup, voir ça, tranquillement. N'hésitez pas à... lâcher, du coup, votre petit like, tout simplement, à lâcher votre like et à vous abonner à cette chaîne secondaire. Rejoignez le live Twitch, c'est tous les soirs à 20h. Merci de vous d'avoir visionné cette vidéo de tous les secrets de Blood of the Dead. Je sais pas quand la rediff aura lieu, mais elle aura lieu un jour. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, que la prochaine map sera sûrement Alpha Mega, voilà. Du coup, bisous Flapix TV, et à plus.